Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Jésus-Christ. C'est le numéro 73. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, 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 et plus que vainqueur dans le sang.
Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 33. Psaume chapitre 33, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 33, nous lisons la parole du Seigneur. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureux, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Amen. Jésus-Christ le Tout-Puissant. Jésus-Christ le Tout-Puissant. Les démons s'abaissent devant lui. Les démons s'abaissent devant lui. Jésus-Christ le bon berger. Que ton nom soit glorifié, béni soit ton nom, mon sauveur. Il est le plus beau nom, Seigneur, que nous portons avec reconnaissance, mon roi. Nous te servirons jusqu'à la mort, mon sauveur. Tu es le roi, tu le mérites, mon bien-aimé Seigneur. C'est toi qui as été le seul à descendre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, à recevoir cette colère de Dieu sur toi, afin que nous puissions avoir la paix avec Dieu. Jésus-Christ, mon roi, nous te disons merci du fin fond de notre cœur. C'est pour ça, c'est avec reconnaissance, mon roi, que nous pouvons te louer, te glorifier, t'adorer avec réellement beaucoup de reconnaissance pour ce que toi, tu es pour nous, Père. Tu es le puissant rédempteur, mon roi, le grand conquérant,
C'est toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. L'absolu, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est toi, mon bien-aimé Seigneur. Oh Dieu, l'alpha et l'oméga. C'est toi, oh notre Dieu. Béni soit ton nom, parce que tu es vraiment éternel. Louange et honneur à toi pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras aussi, parce que tu es toujours fidèle à tes promesses, à ta parole, à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour ce rassemblement encore aujourd'hui. Merci pour ta visitation, notre Dieu, parce que tu es vraiment présent, tu es vraiment vivant, tu es aussi palpable, mon bien-aimé Seigneur Jésus. Et nous te remercions encore, Père Saint-Dieu, c'est que toi, tu agis encore puissamment dans la vie de chacun de nous, bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es vraiment puissant et merveilleux, Seigneur. Oh, tes œuvres sont grandioses, mon roi. Nous te disons merci, Père de puissant Dieu, pour tes merveilles que tu accomplis, que tu continues encore d'accomplir encore parmi ton peuple, mon roi. Louange à toi pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour les chants et les cantiques, mon bien-aimé Père Dieu. Nous t'avons adoré, nous t'avons glorifié et c'est un bonheur pour nous voir te louer, bien-aimé Père Saint-Dieu. Et une grande joie, bien-aimé Père Tibissant, dans la reconnaissance à ton endroit, de chanter ton nom à toi, bien-aimé Père Tibissant, avec des cœurs bien disposés par. Béni, mon précieux frère, que tu as inspiré encore ce matin. Oh, louange à toi, Père du puissant Dieu, pour ces enfants qui t'ont chanté aussi, bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci, Père, parce que ce sont des dons que tu nous as donnés, Seigneur. Loué soit ton Saint-Nom, Père oh Dieu, pour chaque frère, pour chaque sœur qui a chanté, qui a témoigné. Seigneur, tu es vraiment merveilleux, Père. Louange à toi pour tout ce que tu fais, Seigneur. Accorde-nous encore ce moment béni que nous voulons nous tenir encore dans ta présence. Oh Dieu, parce que tu es là, nous sommes vraiment heureux, Seigneur. Merci pour le pardon de nos péchés, Seigneur, et la joie de pouvoir être dans ta maison, Seigneur. Sois béni, nous pensons aussi à tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion dans différents endroits, qui sont aussi bénis, Père. Ils sont tellement nombreux, Seigneur, qu'ils soient bénis, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni, qu'il soit vraiment exalté, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous soutienne, qu'il vous fortifie. Vous pouvez vous asseoir. Il est vraiment le roi des rois. Tout genou fléchira. Peu importe, même si quelqu'un ne le veut pas, mais son genou doit fléchir. Oui, nous lui sommes vraiment reconnaissants de tout notre cœur pour sa bonté, son amour à notre endroit. Le Seigneur, notre Dieu, bénisse chacun de vous. Amen. Ou tous qui êtes venus de loin comme de près, qu'il soit béni pour aussi avoir amené aussi nos bien-aimés qui étaient en déplacement. Que le Seigneur soit glorifié de les avoir gardés aussi pendant leur séjour là-bas et aussi leur retour parmi nous. Que Dieu soit béni pour notre précieux frère Frédéric. Et Dieu te bénisse, mon frère. Je voudrais que tu te lèves pour qu'on te voie bien. Ah, les voici. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, mon précieux frère, d'être venu. Vous le connaissez, non? Amen. Vous l'aimez aussi, non? Amen. Oui. Il ne parle pas beaucoup, mais que Dieu le bénisse richement. Merci pour ce que tu as fait, mon précieux frère. Il a quitté aussi, lui, là-bas, laissant donc son épouse et ses enfants. Et après avoir fait un si long voyage, vous avez prié pour lui. Un si long voyage de Burkina, il est passé là-bas à Metz, effectivement. Quelle bénédiction qu'il a trouvée, que Dieu lui a donnée avec sa femme aussi une nouvelle maison. Amen. Amen. Les enfants sont bien logés à l'école. Quand on aime Dieu, Dieu prend soin de nous. Nous allons prier pour lui. Tendre Père et précieux Sauveur, nous sommes touchés de voir aussi la simplicité de mon frère. Son amour aussi, Père Saint-Dieu, à notre endroit, après avoir quitté le Burkina, il a demandé qu'on prie pour lui, mais vraiment avec sincérité, il y est arrivé, il a quitté aussi là-bas la France, en laissant notre sœur Elodie et les enfants aussi, Père Saint-Dieu, pour pouvoir venir avoir communion avec nous ici, Père, que ta bénédiction lui soit accordée à lui, à toute sa famille entière, mon bien-aimé Père Tibissant. Louange à toi pour ce moment que tu permets que nous puissions être ensemble, qu'il soit donc béni. Nous te remercions. Car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Alors, nous savons que nous avons des frères et sœurs aussi qui viennent de loin.
Et là, la fois passée, c'était aujourd'hui, ce matin, je posais la question à mon frère Zaché. J'ai dit, mais voilà, mon grand, il s'est dit, est-ce que vous, le frère Bruno était là la fois passée? Est-il là aussi aujourd'hui, frère Bruno? Frère Bruno, si tu nous suis, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. Que le Seigneur te bénisse richement. Les frères qui sont à Brazzaville sont très contents de ce que tu as eu à pouvoir faire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse aussi notre sœur Esther de Roubaix, avec toute sa famille aussi. Je les ai vus encore ce matin. Et tous ceux qui sont venus de loin, comme d'après, comme pour bien voir. Ah, mon précieux frère Daniel, vous le connaissez, non? Les enfants ont chanté. Que Dieu te bénisse avec toute la famille, avec ma bien-aimée. Oui, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes tellement heureux. Toujours quand on vous voit, nous sommes tellement heureux. Je pense que je n'ai oublié personne. C'est là-bas au fond, c'est mon frère Bénélice. C'est ça que j'ai. Oui, parce que mes yeux ne voient pas bien. Mais le Seigneur a quoi là? Oui, ah oui, quel bonheur. Il est où notre frère Abel? Lève-toi, mon précieux frère, que je te vois. Quel bonheur. Reste debout. Quel bonheur pour moi de te voir aujourd'hui. Et quand tu es venu, mon cœur était tellement dans la joie. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Mais quand tu es là-bas, nous savons que tu es toujours connecté, mais te voir, ça fait beaucoup de joie. Que le Seigneur te bénisse richement et te fortifie davantage. Tu restes encore un instant avec nous, puis tu pars. Ah. Nous allons prier pour lui. Tendre Père et précieux Sauveur, tu nous as vraiment donné des frères, mon Sauveur. Il a quitté Londres, Père Tubisson, pour venir ici, traversant la Manche là, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour arriver jusqu'ici, afin que nous puissions avoir communion ensemble, mon bien-aimé, comme tu as conduit, Père Tubisson, que les psaumes soient lits, qui c'est vrai, Père Saint-Dieu, c'est merveilleux, parce que tu es vraiment roi, et nous te sommes heureux, et nous te sommes reconnaissants pour ce que tu es vraiment notre Dieu. Merci vraiment pour notre précieux frère Abel, Seigneur. Et voici, étant parmi nous, nous nous réjouissons de pouvoir avoir ce moment béni ensemble, Père Dieu, pour sa famille aussi, Père Saint, qui se réjouit aussi de pouvoir le voir, combien nous aimons tant quand nous nous retrouvons ensemble, bien-aimé Père Saint-Dieu. Et bientôt, il pourra aussi retourner, mais que tu sois avec lui. Tu lui as béni en venant ici, Père. Il est une bénédiction pour nous. Qu'il en soit aussi de même quand il va retourner aussi. Partout où il va passer, Seigneur. Que ton nom soit béni, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Merci, mon roi. Que Dieu te bénisse, Richard. Alors, y a-t-il d'autres que j'ai? Tu as oublié? Bon, héritier, tu étais venu. Que Dieu soit béni. Tu étais parti, tu es revenu. Mary et la sœur... Nous sommes heureux de pouvoir vous avoir. Merci. Alors, si j'oublie encore quelqu'un ici, c'est ça. Je vais oublier. Allez, bon, maintenant, je vais dire que je suis tellement heureux de vous voir tous. Ça fait plaisir de vous voir et je suis reconnaissant au Seigneur de pouvoir vous voir aussi aujourd'hui. C'est merveilleux quand Dieu nous permet de pouvoir avoir des moments comme ça et de pouvoir voir aussi combien il reste toujours fidèle. C'est Dieu vraiment fidèle dans sa façon de faire les choses et aussi d'une manière tout à fait surprenante. Ce samedi, nous avons vécu des moments particuliers. Ah, je sais que beaucoup n'étaient pas là, mais non, Dieu a fait de merveilles, mais d'une manière tellement si simple. On dit, il est vraiment... Jésus-Christ, il demeure toujours le roi. Nous lui devons de la crainte aussi et du respect. Alors, nous avons eu un service de baptême ce week-end. Alors, c'était vraiment extraordinaire. Moi, j'étais tellement heureux. Mais vous savez, c'est soudain comme ça. J'étais dans mon bureau là, et j'étais avec mon frère Zaché, mon grand frère, et Jonas, effectivement, et tout d'un coup. Et soudainement, trois personnes. J'ai dit, Seigneur, que c'est merveilleux. Et je vous dis, parce qu'il était tellement bon, j'étais tellement heureux. Parce que même les trois personnes, alors je voudrais que ces trois personnes viennent ici. Il y a donc notre sœur Evelyne. Ma sœur Evelyne vient, je suis tellement content. Et à notre sœur Francine.
Et Dieu soit béni. Aïe, 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 quel bonheur. Et il y a aussi notre sœur. Vraiment, c'est extraordinaire. Hein? Notre sœur Elisabeth. Donc, Elisabeth, la maman de la sœur. Mettez-vous devant, etc. Samedi, d'une manière tout à fait... Et c'est extraordinaire. Vous n'étiez pas là, pas samedi, vous n'êtes pas là. Comme je vous dis toujours, moi, c'est souvent, ça arrive samedi que je suis là. Et là, là, la Seigneur a fait des choses merveilleusement grandioses. Et voici nos sœurs qui ont eu décidé, hein, d'une manière aussi sincère et profonde, et dit, nous voulons abandonner notre vie, là, ce que nous avons comme caractère et la façon de faire les choses, et nous voulons maintenant que le Seigneur nous aide. Nous l'aimons tellement, et c'est pour ça que nous voulons avoir son nom dans les eaux du baptême. Les témoignages aussi de notre sœur Evelyne nous a touchés aussi. Ah là là, Dieu fait des merveilles dans la vie de nos frères et sœurs. Il y a de l'argent dans les ciels pour un seul pécheur qui se repent. Alors nous allons vous. Vous n'êtes pas heureux? Ah, Dieu est bon, hein? Et c'est pécheur. Ah, et quel bonheur. Quand nous voyons ça, nous pouvons dire, Seigneur, merci. Et soudain, comme ça, et puis la maman qui dit, mon cœur est touché, parce que ça, ce que j'aime, mais oh, Dieu est bon. Vous entendez des témoignages qui touchent votre cœur. Et puis, nous n'étions pas tellement nombreux, très petits, mais tellement glorieux. Je voulais remercier le Seigneur. Tendre Père est précieux, sauveur, tu es le maître, le rédempteur, mon bien-aimé Père puissant. Oh, que ton nom soit béni. Tu vois mon cœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, la manière dont tu fais les choses. Parce que pour les uns, ça peut dire, oh, ce n'est rien. Ce n'est pas un problème. Mais pour moi, c'est tellement grand, mon sauveur. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Ils ont été dans les eaux du baptême, Père Saint-Dieu, en ton nom à toi, parce qu'ils en avaient tellement soif et tellement le désir, Père Saint-Dieu, de se conformer à ta volonté à toi. Que mes sœurs soient bénies. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Sois béni, Père, et sois glorifié. Oh, merci. Attire encore davantage, mon roi, ceux qui traînent encore davantage, mon Père Saint-Dieu, aide-nous, afin que nous puissions aller vers les perdus, Seigneur, afin que de leur témoigner de toi, de leur parler, pour qu'ils puissent revenir à toi et prendre ton nom dans le baptême, parce que tu es le plus beau parmi les milliers. Nous te remercions. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez rentrer. Mais Francine, tu restes. Oui, tu restes là. Vous la connaissez, non? Dieu est bon, hein? Il est merveilleux, non? Oui, il est merveilleux. Non? Prince, tu veux venir ici? Oui. Oui. Le Seigneur est bon, hein? Oui, oui, Jésus est bon. Il est bon. Le Seigneur est bon. Il est bon. Mais il y a... Non. Oui, mais il est bon. Merci beaucoup. Très bon, mon très Dieu.
C'est vraiment bon, il est très bon. Alors, notre frère, prince et toute la famille sont partis pour douter. Notre sœur Francine. Alors, comme vous savez, Francine s'appelle Francine Wallot. C'est ça, non, ma sœur Francine? Wallot, hein? W-A-L-O. C'est ça, hein? Dès aujourd'hui, comme vous la voyez là, vous pouvez enlever les L et l'ajouter par les Y. Ça veut dire qu'elle est devenue Madame Wallot. Donc hier, samedi, notre frère Wallot a pris notre sœur Wallot comme épouse, et notre sœur Wallot a pris notre frère Wallot comme époux, et nous avons prié pour eux. Donc aujourd'hui, ils sont mariés. Merci. Donc ce n'est plus Francine Wallot, mais bien Francine Wallot. C'est extraordinaire. Il n'y a seulement qu'une lettre qui a changé. Nous allons prier. Merci le Seigneur. Tendre Père et précieux Sauveur, merci encore de tout notre cœur pour ce que tu as fait, pour le merveille que tu accomplis encore dans ta maison à toi, pour tes enfants. Oh Jésus-Christ, mon roi, qu'ils soient aussi bénis. Oh, leur enfant aussi béni, puisqu'il était déjà béni, mon roi. Je t'en suis vraiment reconnaissant pour la victoire, pour ce que tu as fait, pour ta beauté, pour ton amour et tes compassions. Tu demeures celui que nous aimons. Tu demeures celui que nous servirons. Qu'il soit béni, que tu sois glorifié pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oh, nous prions tous de tout notre cœur pour le voir aussi heureux, avoir beaucoup d'enfants. Et dans la joie de mes participants, le cœur de chacun de nous doit être heureux et dans la joie de voir le bonheur de nos frères. Oui, nous te remercions, Père Saint-Dieu, et nous rendons gloire à ton Saint-Nom. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez aller vous asseoir. Dieu vous bénisse. Ah, et le Seigneur est bon, hein? Il est toujours bon, notre Dieu. Nous devons être dans la joie quand nous voyons Dieu faire des choses comme ça parmi nous. C'est vrai. Nous ne pourrons que chanter les chants de Sion pour sa gloire, car il restaure la vie. Oui, vous pouvez me regarder. Vous savez, je vous l'avais dit, que cette année-ci, l'ordre doit revenir. Vous devez vous réjouir, frères et sœurs, de voir que Dieu remet l'ordre de nos vies, se met en ordre et nos frères et sœurs sont dans la joie. Et Dieu nous donne des enfants aussi. Il est le Dieu qui fait les choses comme il le veut, il permet comme il le veut. Et c'est lui qui a le droit. Et quand il dit, la chose arrive lorsqu'il ordonne, et nous nous plions nos genoux devant la volonté de notre Seigneur. N'êtes-vous pas heureux? Mon frère et ma soeur, nous devons être heureux. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas. Nous devons être heureux, remercier le Seigneur pour ce qu'il fait. Parce que le diable avait pris l'emprise, effectivement.
Et les gens ont commencé à murmurer, à dire des choses qu'il ne faut pas dire, et tant pour même l'enfant. Frères et sœurs, les choses doivent changer. Oui, les choses doivent changer. Le respect dans toutes choses. Ils sont mariés, on doit les respecter. Le bébé est un bébé qui est béni. Le bébé n'est pas maudit. Donc, il faut que les choses changent dans les langages, en fait. Nous devons respecter Dieu et ses principes aussi également. Nous sommes heureux parce que nous savons que Dieu fait des choses et à sa manière, moi, je le respecte. Je crois que chaque enfant de Dieu respecte quand Dieu met de l'ordre dans la vie de tout un chacun. Je le crois. Nous remercions Dieu parce que nous voulons que Dieu nous sanctifie. La sainteté, la sanctification convient donc à la maison de l'Éternel. Nous ne pouvons plus vivre comme des chiens. Nous devons vivre comme des peuples de Dieu. Sainteté à l'Éternel, notre Dieu. L'ordre, l'amour, le respect. Nous avons dit notre Dieu doit être aimé, respecté, loué ici. Vous savez, j'aime beaucoup ce que notre précieux frère l'apôtre Paul disait, que c'est lui qui n'aime pas mon Seigneur Jésus, qui soit donc maudit. Donc si nous nous l'aimons, quand il fait des choses, nous glorifions Dieu. Parce que sa parole et sa volonté s'accomplissent. Alors nous sommes donc heureux. Nous le remercions parce qu'il fait toujours des choses à merveille. Voilà que dans le livre des Actes au chapitre 6, il y a des questions effectivement que les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce qu'il y avait une situation. Alors c'est comme cela que les apôtres ont eu à pouvoir dire que choisissez parmi vous des frères qui doivent s'occuper effectivement aussi de tout ce qui est de l'ordre dans cela aussi. Vous avez déjà lu ça? Acte 6, vous pouvez le lire aussi à la maison. C'est ainsi que là, on a pu voir des diacres. Alors, dans notre assemblée ici, nous en avons deux. Notre précieux frère Zachée et notre précieux frère Rosario. Et là, nous voyons que les besoins, bien sûr, ils ont beaucoup de travail, ils ont besoin d'avoir quelqu'un quand même de plus pour aussi les aider dans la tâche. Ah oui, les choses changent. On vous a toujours dit que les choses ne seront pas toujours les mêmes. Cela, c'est vrai. Vous connaissez la responsabilité du diacre, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Alors, dans mon cœur, je voulais aussi que cela soit ainsi. C'est là. Mon frère Jonas. Je n'ai même pas posé la question si vous l'aimez ou pas, parce que déjà... C'est merveilleux, hein? Voici donc votre diacre.
Dieu est bon. Oui, il est bon. Hein. Il est bon. Il est votre diacre, mais son service dans mon bureau reste. Hein. Ah, ça ne change pas. Hein. Ah, il est, vous descendez chez moi, vous le trouvez. Vous montez ici et vous le trouvez. Comme cela. Alors, dès aujourd'hui, il va rester aussi avec vous comme notre frère. Cher frère Rosario. Je vais prier pour lui, mais quand je reviendrai de mon voyage, je vais donc prier et lui imposer la main. Pendant ce temps, vous allez être avec lui et l'observer aussi, dans la tâche qu'il va occuper aussi ainsi. Nous allons prier. Tendre Père, précieux Sauveur, je voudrais te dire encore merci encore aujourd'hui pour ce que tu fais, de nous avoir donné la joie d'avoir notre précieux frère Jonas. Nous l'avons observé, nous avons vu effectivement comment il s'est toujours comporté. Et puis que tu lui as donné cette tâche d'être dans mon bureau, il a toujours été fidèle. Merci que tu le soutiennes encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il est là pour assumer une tâche que toi, tu lui as donc accordé le pouvoir aussi, Père Tout-Puissant, prendre en charge, que tu puisses l'aider. Et pendant ce temps que je serai parti, aide-le, Père Saint-Dieu, à pouvoir arriver, à pouvoir agir comme toi, tu le voudrais. Et si tu m'accordes cette grâce de revenir, je prierai pour lui et je lui imposerai la main, c'est vrai. Je prie pour que tu le bénisses, que tu le soutiennes, que tu le fortifies, qu'il soit aussi soutenu aussi, Père Saint-Dieu. Merci parce que tu nous as donné la joie de pouvoir l'avoir. Qu'il soit donc béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse, mon précieux frère. Et c'est vraiment un jour particulier. Hein. Nous remercions notre Dieu pour sa bonté, pour son amour, pour aussi ses merveilles parmi nous. Et il veut que nous puissions avoir la paix, et le servir aussi dans la paix, dans l'obéissance aussi à sa parole et surtout le respect. Je pense que dans le psaume que notre précieux frère a lu effectivement aussi dans l'écriture, il nous dit, je crois que c'est psaume 33, c'est cela, oui, il nous dit quelque chose qui touche aussi nos cœurs, c'est ça. Psaume 33, c'est au verset donc 18. Il dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. La crainte de l'Éternel, donc, c'est le commencement de la sagesse. Et vous vous souvenez, dans le livre de Job, au chapitre 28, quand on parlait effectivement en rapport avec la sagesse, on posait la question, où est donc la demeure de la sagesse? C'est merveilleux de voir comment cela est écrit et que la parole de Dieu décortique en fait les choses pour nous amener à pouvoir comprendre l'importance de choses que, par exemple, nous ne plaçons pas souvent ces choses-là comme étant importantes, primordiales dans notre vie. Nous plaçons, effectivement, dans notre vie, les choses primordiales telles que l'or, l'argent et tout ça. Hein. Et nous pensons que ce sont des choses qui sont tellement si importantes pour nous et pour notre survie sur la terre. Mais quand Dieu jette le regard, effectivement, c'est là qu'on comprend qu'effectivement, que la manière, la pondération des choses, comment on peut faire donc la valeur qu'on attribue aux choses dans notre dimension naturelle n'est pas vraiment la même que Dieu, qui est l'auteur de la création, effectivement, hein, évalue en fait les choses.
Dans Job au chapitre 28, juste quelques versets pour que nous puissions voir cela. Hein, j'ai dit, comme je l'ai cité tout à l'heure, Job au chapitre 28, c'est cela, oui. Voilà, il dit cela. Oui. Voilà, c'est... Voilà. Verset 1, il dit, il y a pour l'argent une mine dont on le fait sortir. Et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Nous allons prier. Dans notre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire merci encore pour ce moment que tu nous donnes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et la joie d'être dans ta maison encore aujourd'hui, et de pouvoir vivre ce que nous vivons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que je le crois, mon Père Saint-Dieu, que tu vas faire et vraiment de grandes choses. Tu les fais déjà, mon Sauveur. Je te suis vraiment reconnaissant, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que dans ta maison, tout s'écrit gloire. Et tous ceux qui t'aiment sont dans la joie, mon bien-aimé Père, de voir l'ordre que toi, tu remets, Seigneur. La paix que tu ramènes dans la maison, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. La joie et la consolation, mon Sauveur. Oh Jésus-Christ, mon roi, nous ne pouvons pas être insensibles à ce que toi tu fais, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour et tes compassions. Continue encore ce matin, encore dans ta parole. Seigneur, tu nous bénis, tu nous as bénis encore dans les chants et les cantiques, dans tout ce qui s'est passé. Seigneur, aide-nous encore à pouvoir écouter ta parole. Nous t'avons ainsi prié au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous continuons la lecture. Il dit, le fer s'étire donc de la poussière et la pierre s'effond pour produire donc l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux donc habités, et ses pieds ne lui sont plus en aide, et il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent donc du saphir. L'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas les sentiers. L'œil du vautour ne l'a point aperçu et les plus fiers animaux n'y l'ont point foulé. Les lions n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc et il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans le rocher. Son œil contemple tout ce qu'il y a de plus de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux. Il produit à la lumière ce qui est caché. Donc on voit très bien que, et parmi nous, personne ne peut dire le contraire, que quand on se voit, on s'est posé dans ces mondes dans lesquels nous sommes ici et nous vivons. Et on peut même arriver à pouvoir dire qu'en fait, que c'est l'objectif et la raison même de vivre sur cette terre. Oui. Tout homme qui est sur cette terre, effectivement, son objectif, c'est toujours le bonheur. Et le bonheur, quand on parle de bonheur, en fait, il est traduit par le moyen financier. Oui, on parlait de l'or, qui ne voudrait pas avoir des lingots d'or avec lui. On parle du saphir, qui ne voudrait pas. Les rois de ce monde, ils ont détruit en fait des pays et d'autres pays parce que à la richesse de toujours des richesses. Quand on voit la guerre aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'on peut entendre effectivement, des populations qui sont dispersées à gauche, à droite, et enfin, tout cela effectivement, il y a toujours la richesse de quelque chose. C'est toujours le bien-être. C'est bien, c'est traduit par quoi? Par les moyens financiers. Vous avez de l'or, vous avez de l'argent. Vous avez du saphir, vous avez de l'argent. Vous avez des larins, vous avez de l'argent. Tout ce qui est comme métaux précieux, c'est ce que tout un chacun cherche et désire. Quand vous sortez de cet endroit où nous sommes, vous allez à la maison, effectivement, le lendemain, qu'est-ce que vous faites? Vous allez au travail.
Pourquoi vous allez au travail? Parce que on veut avoir des moyens financiers. Nous avons des projets, on veut avoir des voitures, on veut avoir des ceci, on veut avoir ça. Tout cela, c'est l'argent. Et parfois même, effectivement, on va même jusqu'à tuer des gens pour ce qu'on appelle l'argent. Oui. Et puis, les haines, les ceci peuvent monter encore dans le cœur, effectivement, de beaucoup à cause de ce qu'on appelle l'argent. Beaucoup de malheurs ont eu avoir lieu dans ce monde, effectivement. Toujours à cause de l'argent. Je me suis posé la question un jour, je me dis, Seigneur, je regardais, je me promenais aussi, je regardais parfois les pensées viennent, et je dis, bon, on voit la publicité, tel laboratoire a fait l'expérimentation, il a fait sortir telle chose. Et, comme par exemple, bon, les vaccins qui sont sortis, effectivement, aussi, différentes sortes de vaccins, bon, notamment le plus célèbre, c'est le vaccin du Covid. Je me souviens, pendant la pandémie du Covid, je me suis tenu ici. Je sais que beaucoup n'appréciaient pas ma position, en fait. Des frères et des sœurs, je le sais. Parce que je n'avais pas mis l'accent pour pouvoir pousser les gens à se faire vacciner. Vous n'avez pas parlé, mais je sais très bien que ma position ne vous plaisait pas, en fait. Dans beaucoup de cas. Je ne vous demande pas de pouvoir réagir, mais je sais. Pensez-vous, le monde tout entier était vraiment concentré et poussé. En plus, je vous l'avais toujours dit, en fait. C'est souvent un problème, parce que quand on dit, on regarde la personne, on n'a pas confiance, on ne croit pas beaucoup, en fait. Ça aussi, je le sais. Le monde entier s'était concentré, et là, comment on a bombardé les gens. Il faut vous faire vacciner. Partout, le matin, vaccinez-vous. À midi, vaccinez-vous. Les soirs, vaccinez-vous. En plein de nuit, vaccinez-vous. Il y avait. Mais oui, vous ouvrez vos téléphones, vaccinez-vous. Alors il fallait être un fils de Dieu. Hein. Pour se tenir. Hein, et prendre position. Et dire, moi dans ma vie, mon épaule ici. L'aiguille du vaccin, jamais. Ils sont allés même jusque dans le travail. Je vous l'avais dit ici, j'ai dit, vous savez, ceci est une preuve. Dieu veut voir aussi comment vous allez prendre une position. Parce que ça, ce n'est qu'un début. Je vous l'avais dit. Ceux qui peuvent se souvenir que Dieu te bénisse, je vous l'avais dit. Et quand ça a commencé même la pandémie, j'ai dit, mon frère et ma soeur, n'ayez crainte. Je vous l'ai dit ici. J'ai dit, Corona est venu, Corona passera. Je vous l'ai dit ici. Pendant ce temps-là, c'était les morts qui se comptaient à gauche, les gens tremblaient. Et qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, non, ne tremblez pas. Dieu est avec vous. De cet endroit, je vous l'avais dit. J'ai dit, tout ceci passera, ça changera. Mais seulement prêtez attention à ce que Corona va laisser derrière. Je vous l'ai dit ici. C'est Dieu qui nous conduit. Ça, en fait. Et nous avons vu avec nos yeux.
qu'ils ont poussé les gens à un masque. Nous étions dans cette assemblée ici. Je n'ai jamais eu à pouvoir dire, sœur, frère, vous êtes obligé de pouvoir porter le masque parce que toi, ma sœur, tu vas me contaminer. Nous avons reçu des insultes. Ce monsieur était un meurtrier. J'ai des documents, j'ai des courriers. Il est meurtrier, il ne se rend pas compte. Il est en train de se dire, on me dit, mais frère, tu ne te rends pas compte. C'est-à-dire que quand ça prend un, c'est tout le monde qui est contaminé. Tu peux quand même prendre la distanciation sociale, tu ne le fais pas. Moi, j'ai dit, là où moi je suis. Alléluia. Si je crois que Jésus est vivant, alors j'ai dit, il ne m'a pas dit fais les distanciations sociales. Nous avons pris position pour la parole de Dieu. Le monde tout entier, même dans le coin, village le plus reculé, en Afrique où il n'y avait même pas quoi que ce soit, mais tout le monde était donc masqué, même les enfants, dans un pays si chaud. Vivaient avec les masques tous les jours. Et vous avez remarqué que nous n'avons pas interdit aux gens, nous avons même acheté des masques. Liquide hydrogénique, si c'est hydrogénique, je ne sais plus comment on appelle. Hydroallergique, ça, ils se lisent. Nous en avons acheté, et c'est frère, notre pharmacien qui gérait même les bidons. On vous a tout mis là. Lavez-vous. Il y a d'autres qui ne voulaient même pas vous serrer la main. Parce que sinon, vous allez contaminer. Et moi, depuis toujours, je n'ai cessé d'embrasser tout le monde. Pendant le Covid, je n'ai pas dit, sœur, ne m'approchez pas, frère, ne m'approchez pas, je m'approche encore plus de vous. Mes frères, j'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, c'est passé. Vous savez, Dieu est bon dans sa manière de. Quand nous servons Dieu, il faut éviter la peur. En fait. La peur et l'anxiété, ce sont les armes de Satan. Si votre foi est comme un grain de sénévé, petite soit-elle. Vous direz à cette montagne, au toit de l'œil, et la montagne aussi quittera. Nous lisions avec vous les psaumes 91. C'est là que nous nous réfugions. Que 10 000 tombent à ma droite et à ma gauche, je ne serai nullement atteint. Et le Seigneur, notre Dieu, nous a vraiment gardés. Quand la tempête faisait rage dehors, les gens mouraient. Malgré qu'on pouvait aussi avoir des moments de santé fébrile, mais aucun de nous, comme Lise le chantait dans ce cantique, je regarde autour de moi. Et je n'ai perdu aucun. Merci. Merci, ma chérie. Parmi nous, il n'y a personne qui est mort de Covid. Les gens s'étonnaient, même les autres églises, quand on parfois nos vidéos passées, ils disent, mais votre pasteur, il est problématique. Et vous ne vous rendez pas compte. Mais personne parmi vous n'a été dans ces conditions qu'on pouvait déplorer la mort. Dans les autres églises, oui. Mais ici, nous avons donc pris position pour le Seigneur. Et Dieu nous a gardés et nous garde encore. Toujours jusqu'à aujourd'hui. Et pendant ce temps que les églises étaient quand même fermées, nous venons quand même
avec des douleurs. Mais c'est vrai, ce n'était pas facile. On prenait des risques, mais on dit quand même qu'advienne que pourra. Pour ce Jésus, s'il faut mourir, et c'est vrai, frères et sœurs. C'est pour dire qu'effectivement, que nous ne parlons pas comme si c'était seulement des mots que nous faisions, mais ce sont des choses que nous croyons. Et donc nous sommes effectivement aussi une nation. Alors, nous remarquons qu'effectivement, que le monde a eu à pouvoir donner cela, les obligations dans ceci, mais nous avons été contre et à l'encontre de ce qui est imposé, que nous trouvons que c'était contre la parole de Dieu. Ne vous saluez pas, enfin, vous embrassez, évitez de vous embrasser, c'était même interdit. Et puis, on nous a encore ajouté encore un autre, quand même, c'était quoi que ça, vous n'avez pas vraiment bien observé. Il dit, si vous aimez vraiment vos parents, il ne faut pas les visiter. Alors, je me suis dit, dans les Saintes Écritures, il n'y a pas une écriture qui me dit ça. Donc, si j'aime mes parents, je dois le voir. Je ne peux pas ne pas les voir pour que, parce que bon, là, il y a ce qu'on appelle l'interdiction de ceci ou de cela. Je pense que vous me comprenez. Donc, nous avons toujours eu à pouvoir nous approcher et nous visiter aussi. Il y en a de ceux qui ne voulaient pas qu'on visite, probablement, je ne sais pas, mais tous ceux que je connais, je pense qu'il n'y a aucun qui a fermé sa porte. Pour dire interdit au Covid, on pouvait aller y entrer. Donc, quand quelque chose, nous voyons que c'est contraire à la parole de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous cherchons quelque chose qui est pour la parole de Dieu et qui est conforme à la parole de Dieu. Je vous donne cet exemple pour quelle raison ? Parce que nous parlions qu'effectivement que le monde met toujours l'accent sur la prospérité. Il y a même maintenant aussi dans les églises l'évangile de la prospérité. Dont on pousse même les soi-disant frères et sœurs à pouvoir faire des choses aussi qui ne sont peut-être pas être nommables pour prouver qu'ils ont la prospérité en ayant de moyens. Parfois, les uns vont s'endetter pour acheter des voitures qui sont tellement si chères, alors que par mois, ils ne savent même pas. Ah oui. Ils vont faire des choses extra pour taper à l'œil, de manière à ce que les gens voient effectivement pouvoir. Dieu est avec nous. Mais il n'est nulle part écrit dans les Saintes Écritures que les signes que Dieu est avec toi, c'est parce que tu as des voiture, tu as des maisons, alors les autres achètent des bijoux aussi grands pour se mettre autour du cou, qu'on voit très bien que c'est comme cela qu'on voit que nous sommes, que Dieu est avec nous ainsi. Donc ça, c'est l'évangile qu'on appelle la prospérité. Je vais vous dire que cet évangile, la prospérité, c'est un évangile démoniaque. Alors, nous, remarquons qu'effectivement que là, le monde met l'accent sur le bien-être. Et ce bien-être en question, c'est la taille ou la possibilité de pouvoir avoir ce qu'on appelle de moyens financiers. Quand vous n'avez pas l'argent, vous ne valez rien. Bien sûr, vous ne voulez pas l'admettre, mais c'est la vérité. Vous pouvez voir, par exemple, je vais donner un exemple ici à l'Assemblée. Nous, frères, nous sommes simples. Mais quand un frère ou une sœur fait une activité, il a beaucoup de moyens, regardez sa famille, comment elle va se comporter. Ah oui, il voudrait, quand ils viennent, les enfants, la femme, les papas, les sissi, on va toujours s'entourer de biens aussi grands, tout à fait, vraiment qui fait frappe l'œil, que quand il vient, on doit voir que c'est lui quand même qui entre. Oui, c'est vrai, c'est, vous pouvez ne pas admettre, mais observer, c'est la vérité, dans différents endroits, c'est comme ça. C'est très rare qu'un frère ou une sœur que Dieu a accordé la grâce, d'aller voir comment ce qu'il fait, d'avoir quand même la possibilité de pouvoir demeurer simple et de tenir ses enfants dans la simplicité.
Il faut que quand on voit ses enfants, et les enfants veulent aussi se faire voir comme si notre père ou notre mère a des moyens. On voit cela. Et ça, c'est ce qu'on trouve effectivement dans le monde. Et quand vous trouvez des gens qui se disent qu'ils sont croyants et qui agissent comme ça, ce qui veut dire que c'est le monde qui est dans un endroit qu'on appelle l'église. On a pris simplement le monde, on l'a transversé. On l'a mis là, effectivement, aussi. Donc ça, on va effectivement dans ce que disent en fait l'évangile. Donc, comme l'Écriture le dit, l'homme fait tout ce qu'il peut faire pour avoir beaucoup de moyens financiers afin de pouvoir aussi se positionner dans la société. Ce qui fait que quand il a de moyens, il a aussi ce qu'on appelle aussi la classe sociale. S'il habitait dans un quartier où il y avait beaucoup de pauvres, il ne va plus rester là-bas. Vous allez voir qu'il va déménager, chercher les quartiers où il y a ce qu'on appelle des riches. Parce que son niveau social a changé. C'est toujours comme ça, l'homme. Parce que ça, c'est ce que le monde dicte, en fait. Mon frère et ma soeur, pendant que nous entendons cela, que chacun de nous puisse se sonder d'abord. Pas regarder le voisin, mais on se sonde soi-même. Seigneur, moi-même ici, n'ai-je pas aussi passé par là, ayant aussi voulu, par exemple, ou même maintenant là, j'ai des projets, de voir que tu puisses me bénir, que je puisse changer de statut. Vous comprenez? C'est soi-même, pas le voisin. Parce que la parole s'adresse à nous. Donc à chacun de nous, pour pouvoir s'examiner, pour pouvoir voir effectivement. Parce que ça, c'est ce que le monde vraiment cherche et qui veut. Il impose aussi, comme on a imposé aussi le vaccin. Parce que c'est le système du monde, en fait. Et comme je l'ai dit encore tout à l'heure, effectivement, si toutes ces guerres et ces problèmes qu'on voit avec les gens de ceci et cela, il y a toujours un problème. Je crois que dans le monde, il y a un proverbe. Le proverbe dans le monde, hein, ils disent que l'argent est le nerf de la guerre. Vous connaissez ça, non? Donc, s'ils disent cela, c'est qu'ils savent qu'effectivement, que cela, quand je parle de l'argent, je parle aussi de l'or, de tout, effectivement, les saphirs, on a des choses précieuses, vous comprenez? C'est en général, effectivement, parce que c'est cela aussi qui fait qu'on a tous ces problèmes-là. C'est pour ça que le Seigneur dit que l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Tout en général. Vous m'entendez? Ce qui veut dire que toi, frère, je parle bien aux fils et filles de Dieu. J'insiste toujours sur ce point-là. Les autres, moi, je ne suis pas responsable. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, ne te laisse jamais tromper par un esprit aussi mauvais. Parce que le diable saisit toujours l'occasion lorsque toi, tu te trouves dans une épreuve où tu n'as pas de moyens. Où tu as des difficultés même pour nouer les deux bouts, effectivement, ainsi. Alors, tu commences à te poser la question, tu regardes les autres là, comme on dit, mais celui-là, il est bien. Celui-ci, il est bien. Il a des possibilités, effectivement. Et pourquoi moi, je n'en ai pas? Dans toutes choses, effectivement, quand on est un enfant de Dieu, il y a une chose que tu dois d'abord toujours te poser comme question. Qui est-ce que moi, je suis par rapport à Dieu? Si tu arrives à répondre à cette question d'une manière sincère et profonde, tu vas t'élever et tu essuieras les larmes de tes yeux. Et tu t'inclineras, tu diras, Seigneur, que ton nom soit béni.
Pourquoi tu diras que ton nom soit béni? Pour quelle raison tu vas dire, Seigneur, parce que bon, tu es dans une situation difficile, et puis tu t'élèves. Parce que je dis, pose-toi la question pour savoir qui est Dieu, qui je suis par rapport à Dieu. Ce n'est pas une chose que, oh, parce qu'on nous a déjà dit à l'Assemblée, moi je dis, non, il faut que toi, tu puisses vraiment entrer en toi-même, te poser la question pour savoir qui je suis par rapport à Dieu. Pas seulement pour les problèmes de l'argent, mais aussi pour toutes les preuves que nous pouvons passer. Qui je suis par rapport à Dieu. Savez-vous, mon frère et ma sœur, que la plus grande richesse, c'est la chose que vous méprisez le plus. Tout ce que vous pouvez avoir autour de vous, je disais, je vais vous donner un exemple, je vais quand même aider très bien. Si je vous donne 1 million aujourd'hui, vous allez acheter des maisons, vous allez acheter des voitures, vous allez peut-être vous sentir bien, vous ameublerez vos maisons, vous améliorerez, vous sentirez bien parce que vous avez, donc vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Maintenant, je vous pose la question. Quand vous aurez acheté tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous allez encore acheter? C'est vrai, il faut qu'on puisse se poser quand même des questions, parfois qu'on ne se pose pas. Vous pleurez, Seigneur, ma condition n'est pas trop bonne, mais tu l'appelles Seigneur. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc si tu l'appelles vraiment Seigneur, c'est que tu as expérimenté quand même le baptême du Saint-Esprit. Et vous me suivez? Lise, tu me suis? Vous comprenez? Donc, pour arriver au baptême du Saint-Esprit, il y a un travail qui a été fait. Justification, sanctification, et puis baptême du Saint-Esprit. Donc, le Dieu du ciel a fait vraiment un travail en toi. Il t'a récuré, il t'a nettoyé. Et pendant tout ce moment-là que le Seigneur faisait son travail, tu avais quand même la conscience. Dis, Seigneur, merci parce que tu changes ma vie. Je me sentais, hier j'étais comme ça, mais aujourd'hui quelque chose s'est passé. C'est comme ça que dans l'église, dans la lieu autour de toi, tu loues Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu l'exaltes effectivement. Et aussi, c'est vrai que pendant ce temps-là aussi, Dieu quand même te bénit parce que Dieu ne peut pas te bénir. Il y a des moyens, il y a tout ça qui donne pour que tu vives, parce qu'il prend soin de nous dans tout le domaine. Donc pendant ce temps-là, tu loues Dieu, tu bénis Dieu, tu glorifies Dieu effectivement, et tu as ce désir que Dieu puisse vraiment prendre possession de toi. Et tu le fais. Ce qui veut dire que tout ce temps que tu as, à moins que tu n'aies pas, tout ce temps que tu vas pouvoir passer avec Dieu, effectivement, tu as vraiment appris des choses de la part de Dieu. Si tu as vraiment appris des choses de la part de Dieu, tu dois maintenant comprendre la différence qu'il y a entre la valeur des choses en rapport avec la nouvelle vie que toi tu as. Quelle nouvelle vie? Parce que si nous sommes baptisés en son nom, nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Nous avons une nouvelle vie en nous. Donc, savoir apprécier maintenant les choses, ça, c'est Dieu a placé cela en toi. La valeur des choses. Je donne un exemple concret. Quand tu n'avais pas Christ, quand tu ne le connaissais pas, ou même quand tu avais peut-être les débuts, tu n'avais pas vraiment la connaissance, tu avais des désirs comme, je dis, effectivement, ah Seigneur, si je peux avoir une voiture, je peux avoir une maison, ainsi de suite. Tout ce que tu avais, non? Pourquoi tu demandais une voiture? Tu demandais une voiture parce que tout le monde a une voiture. Et quand on a quand même une voiture, ça veut dire quand même on a réussi quelque part. Et puis ça fait
plaisir de pouvoir quand même se déplacer, ceci et cela. Il n'y avait pas pensé les voix. Donc tout ça, c'était en fait que tu voulais avoir quelque chose parce que tout le monde l'avait. L'effet de pouvoir avoir. De poser la question aux jeunes. Hein, l'effet de pouvoir avoir, effectivement. Parce que nous, quand on atteint 18 ans, je veux avoir une voiture, je veux avoir une voiture. Pourquoi tu avais une voiture? Tu as tes parents à la maison qui ont une voiture pour aller à l'école. Je veux avoir une voiture, j'ai 18 ans, j'ai un permis maintenant. Pourquoi? Parce que les amis ont un permis. Ils ont aussi des voitures, effectivement. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y avait pas vraiment d'utilité d'avoir une voiture. Mais parce qu'il y a un mouvement, et moi aussi, donc, comme les autres, je vais aussi avoir aussi ma voiture. Vous voyez, mon frère, ma soeur. Donc, tout ceci, effectivement, en fait, c'était que des désirs que nous avions, effectivement, donc on voulait avoir des choses. Je veux ça, ça. Pas parce qu'en fait, vous avez compris la valeur. Parce que quelque chose que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu veux avoir de Dieu, il faut que tu connaisses maintenant la nécessité. Et puis, si vraiment, il y a un besoin. Parce que le Seigneur que nous servons, il nous instruit en fait, afin que nous soyons vraiment des fils et des filles de Dieu, mais parfaits. Il change aussi notre façon de pouvoir voir les désirs dans notre intérieur. Comme l'a dit, mais vous demandez, vous ne savez pas si vous demandez mal, en fait, effectivement, pour satisfaire vos désirs, en fait, vos besoins. Dans notre intérieur, les désirs changent aussi réellement, en réalité. Alors, comme je disais, si tu l'appelles Seigneur, effectivement, ce que tu as quand même appris beaucoup de choses de lui. Donc, s'il est ton Seigneur, et qu'il te fait passer par cette situation par laquelle toi tu passes, c'est que ce Seigneur-là a une bonne raison. Une très bonne raison pour te faire passer par cette situation-là. Tu lui demandes beaucoup d'argent. En fait, il ne te le donne pas. Pourquoi il ne te donne pas beaucoup d'argent, tu demandes? Parce qu'il sait très bien qu'au stade où toi tu es, s'il te donne un peu plus, tu vas l'abandonner. C'est sûr et certain. Dieu te connaît mieux que quiconque. Tu penses te connaître toi, mais c'est lui qui te connaît. Donc s'il te maintient au niveau où tu as un besoin toujours constant, c'est parce qu'il veut te rendre parfait. Plus tu as le besoin, tu as le besoin, plus tu vas chercher Dieu. C'est sûr et certain, mon frère et ma sœur. Plus tu vas dire, parce qu'il faut que quelque chose te manque pour que tu cherches la face de Dieu. Si tu avais tout, est-ce que tu te mettrais à genoux? Donc, c'est dit que c'est vraiment l'amour de Dieu qui s'aime. Alors, c'est vrai que on ne comprend pas la manière de Dieu d'agir, en fait, parce que Dieu n'est pas humain. Toi, ta façon de pouvoir penser, de voir le bonheur, c'est humain. Mais la façon de Dieu de voir son bonheur, c'est spirituel. Alors Dieu t'amène dans ces conditions, effectivement, pour que tu puisses arriver à pouvoir comprendre la différence de valeur des choses. Non, dans le chapitre 28, il dit, voilà l'homme, comment il fait. Parfois, il y a la mort qui survient, effectivement, aussi dans la richesse, effectivement. Donc, il extrait dans le pire, effectivement, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la chose la plus précieuse pour lui. Et ça, c'est ce qui est dans l'humain, n'est-ce pas? Dans le monde humain. Quelle est cette chose qui est plus précieuse pour l'homme, effectivement? Nous l'avons entendu. L'or, le saphir et tout ça, ainsi de suite. Tout ce monde, le monde entier, c'est comme ça que le monde est. Mais quand Dieu pose le regard, effectivement, à ce que le monde est, il voit qu'effectivement, que ce n'est qu'une vanité, en fait. Le monde et tous les habitants du monde, effectivement, sont tous en fait dans des conditions de vanité. Il dit, bon, c'est vrai, tu vas avoir de l'or. C'est vrai, tu vas avoir de l'argent. D'ailleurs, je pense que je l'avais dit une fois, les pharaons ont eu beaucoup d'argent. Beaucoup d'or, effectivement. Ils sont morts, ils ont été enterrés avec l'argent et l'or en question. Mais quand les voleurs, les pillards sont passés, ils ont volé et ils sont partis cadavres sans rien. C'est ça, en fait. Malgré que l'histoire même
démontre et raconte effectivement les choses qui sont vraies, qui démontre effectivement la vanité, comme Salomon l'a dit, vanité, vanité de vanité, l'homme ne voit pas en fait. L'homme, il est aveuglé en fait. Il continue toujours effectivement à pouvoir chercher, à pouvoir avoir tué, parce qu'il va avoir de l'argent. Mais toi, quand même, un fils de Dieu, Dieu veut t'amener à pouvoir voir effectivement et comprendre la chose que le monde ne possède pas, pensant qu'il possède. Parce qu'il dit, bon, vous savez les trouver. L'argent, vous savez les trouver. Tout ça, vous pouvez l'avoir, effectivement, vous l'avez. Mais je vous pose la question. Où se trouve donc la sagesse? Parce que pour gérer toutes ces choses-là, il faut que tu aies quand même une sagesse. Mon frère et ma soeur, on peut donner l'argent à un fou. Alléluia! On peut donner l'or à un fou. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il dit, mais vous cherchez tout ça, mais vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose de tellement important que vous devez avoir, qui est plus que ça. Parce qu'avec ça, vous gérez tout. Il dit, mais vous savez, pour des choses tout à fait comme ceci, vous pouvez même fendre les rochers. Creuser même et descendre, mais prendre des risques même pour votre vie. Alors il pose la question, il dit, mais où est donc la demeure de la sagesse? Je sais que nous avons eu à pouvoir lire ce chapitre versé à maintes reprises en fait. Regarde comment Dieu démontre en fait aux croyants, afin qu'ils aient vraiment l'appréciation de la valeur des choses. C'est important jusqu'aujourd'hui, dans ce temps dans lequel nous vivons, mon frère. Parce que, regardez, nous n'arrivons pas vraiment à pouvoir vraiment valoriser les choses et prendre effectivement les choses de la manière dont on doit les avoir parce qu'il nous manque quelque chose. Prenons les smartphones que vous avez. Mon frère et ma soeur, vous vous rendez compte qu'effectivement que les téléphones, la smartphone, vous ne pouvez plus vivre sans ce téléphone. Vous vous rendez compte, mon frère, que si vous le perdez quelque part dans votre maison, vous devenez malade. C'est comme un enfant que vous avez perdu un téléphone. Vous êtes devenu tellement dépendant de cet engin qu'en une journée, vous ne pouvez pas être sans une journée sans ouvrir vos téléphones, ceci, cela, dans tout, partout, dans les trains, dans le bus, dans les avions, et tout, partout où vous partez. Chaque monsieur, chaque madame a toujours son truc. Vous n'avez pas remarqué qu'en fait, qu'aujourd'hui, vous êtes devenu dépendant de cet engin. Perdez-le une fois. On vous voit comme vous êtes devenu malade. Vous n'avez pas vu mon téléphone? Est-ce qu'il est mon téléphone? Est-ce qu'il est mon téléphone, effectivement? En fait, c'est devenu tellement quelque chose qui fait partie de votre vie, en fait. Et ça dicte même votre propre vie. Alors, mon frère et ma soeur, que ce n'est qu'un engin mécanique, un moyen par lequel on te donne simplement pour entrer en contact avec quelqu'un pour pouvoir l'appeler si tu as besoin de la personne, parce que les téléphones, c'est pour ça. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est pour ça les téléphones que c'est fait. Mais regardez, l'ampleur. Imaginez, je vous donne un exemple. À l'époque, nous tous ici, nous avions le téléphone à la maison avec fil. Vous vous souvenez? Donc, quand on rentre à la maison, qu'on téléphonait pour avoir, ah, ça va, comment ça va? Donc dans la journée, à cette époque-là, on n'avait pas de téléphone portable. Comment on vivait? On vivait normalement. Est-ce que vraiment vous dépendiez votre vie de ce téléphone-là chez vous à la maison? Vous l'avez pour quelle raison? Pour les communications téléphoniques. Mais vous remarquez la différence. Avec les smartphones aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre. Prenons un exemple, monsieur. Est-ce que vous ne pouvez pas vivre sans téléphone à la maison? Les téléphones, là, vous promenez avec.
Non, c'était là, parce que quand vous en avez seulement besoin, quand vous rentrez à la maison. Mais aujourd'hui, partout où vous allez, vous allez beaucoup m'expliquer, frère, il y a les réseaux sociaux, il y a les comptes, etc. Partout où vous allez, ça devient en fait un mode de vie pour vous. Or, si nous réfléchissons, cet engin n'est qu'un appareil pour me permettre d'entrer en contact avec quelqu'un. Et c'est tout, en fait. C'est la valeur qu'on doit simplement arriver à pouvoir donner. Donc, c'est un smartphone, donc c'est un téléphone pour me permettre de pouvoir entrer en contact. Alors maintenant, regarde maintenant ce qui est encore terrible, en fait, avec. Ce que c'est tellement devenu quelque chose qui appartient à vous, mon frère. Ça, c'est vraiment douloureux. Que vous mangez la viande de poulet. Il faut que vous voyez comment je mange le poulet. Que vous achetez un vêtement. Tchou, 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 que vous voyez comment je chante là. Vous ne vous rendez pas compte, mon frère, ma soeur. Je me pose la question, je dis, mais est-ce que les croyants, les chrétiens, ont perdu l'essence? Comment toi, mon frère, comment toi, ma soeur, tu peux t'exposer? On a parlé souvent à nos enfants ici, ils nous prennent pour des fous, pour des malades, effectivement. Ils sont en train de pouvoir exposer leur vie. Les vêtements, les ceci, les phases, les machins, trucs, effectivement. Ils ne se rendent pas compte que tout cela est dans une base de données qu'on garde de l'autre côté. Ça va être une destruction. Maintenant, écoutez très bien. Ce qu'ils ne savent pas, c'est quoi? Tout ce que vous faites là, les vidéos, avec je vois même des grandes personnes, je dis, comment toi, un papa, tu vas tirer la langue? Comment tu vas faire ceci? C'est bon tout ça, ah, on va manger. Et vous avez les réseaux des tuk-tak, si c'est pas, vous mettez là, tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? On récolte tout ça. Dans les temps à venir, et c'est les projets. Dans les temps à venir maintenant, parce que quand tu dois maintenant chercher de l'emploi, on doit maintenant voir maintenant, oui, ton caractère, tout ça. Alors on va chercher dans la base des données, avec toutes tes photos que tu avais postées, tout ça, que quelques-uns le savent. Donc toutes ces vidéos que vous avez fait ça, on va voir, ah, c'est le caractère de ce monsieur. Il est comme ça. Il est exposé avec ses... Il dit, parce que maintenant, on calibre quelle est la personne qu'on peut donner un tel emploi. Tu dit, oh, je suis bien, dit, ah bon, ok, paf. Mais vous savez, frère, ça, des gens qui vont faire des... Comment on jette le corps. Ça veut dire quoi? Eh bien, vous allez demander, comment on appelle ça encore? L'asile, vous n'avez pas de problème au pays et tout ça, ainsi de suite, effectivement. Vous ne connaissez personne, nanana. Vous savez comment ces gens-là font? Ah, vous ne connaissez personne, nanana. On m'a flagé, on m'a frappé, tout ça. Je n'ai personne, nanana. Alors quoi? Dans vos réseaux sociaux. Oh, Jean Gobin. Oh, ici, oh, je m'en dis, ici, là-bas. Nanana. Un jour, l'un des téléphones, c'est Gérard. Pour être un peu intervient. Vous ne connaissez personne. Non. On fait sortir quoi? Sur les réseaux sociaux. Tu ne connaissais pas ça? Des voitures, Jean Gourbet, Jean-Paul. Et comment? Ah oui, mais votre réseau social là, votre WhatsApp, votre TikTok, nous avons vérifié tout. On a trouvé que tu es un menteur. L'ordre de quitter le territoire. Vous me suivez? Oui. Vous laissez vos enfants, c'est-à-dire que vous avez toutes les photos, on prend les photos, mais quand tout ce que vous prenez là, il y a un programme, j'ai oublié le nom, effectivement, il raconte tout. Ça veut dire que toi ici, tu vas quelque part, effectivement, tu dis, oh, moi je suis pas aussi, je suis ici parce que moi, bon, je suis pas parti tel pays, tel pays, parce que bon, il y a des gens, parce que pour qu'on les paye, il faut pas qu'ils puissent sortir du territoire. Bon, je rentre pas dans le détail, vous le savez. Bon, tu fais ceci, puis tu sors du territoire, tu vas là-bas, tu es là-bas, tu prends tchap, tchoum, tchoum, la photo. Ah, tu es là-bas, tu passes bien des petites vacances là, quoi. La photo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce système est fait, en fait, pour que, quand vous, même si quand vous allez vous cacher quelque part, on prend simplement une photo de toi, on lance dans le système, il va vous rechercher partout, et puis paf, on vous retourne, dire, ah ben, il se trouve à tel endroit. C'est comme ça qu'on sait où vous êtes. Donc, bref, pour dire que chaque chose qu'on doit arriver à pouvoir avoir, on doit comprendre quelle est donc la valeur de la chose. Comment l'utiliser? Ne vous exposez pas, mon frère et ma soeur. Passez des choses par les ceci et cela, on saura. Comme on vous dit, j'entends dire, ah oui, les WhatsApp, c'est brouillé, tout ça. Ils ne sont pas brouillés.
Parce que quand on veut vous avoir, on vous aura, effectivement. Alors, en tant que chrétien, en tant que croyant, soyez juste. Et le Seigneur nous a dit, il faut qu'on soit prudent. Très prudent. C'est nécessaire. Donc, c'est important que vous compreniez qu'effectivement, que nous devons apprendre à pouvoir gérer les choses selon la valeur que Dieu nous donne et que nous comprenons ça. Donc, nous revenons à cela. Donc, il dit, mais tout ça, vous avez dit, mais où est donc la demeure de la sagesse? Parce que pour l'or, pour l'argent, vous tuez effectivement pour faire tout ceci et les gens prennent des risques énormes, effectivement. On voit même là-bas la fille des éboulements aussi, effectivement, ces gens qui suivent. Il dit, mais où est donc la demeure de la sagesse? On se pose la question, on dit, mais pourquoi est-ce que Dieu veut comparer l'or et l'argent à la sagesse? Moi, l'argent, j'ai besoin de pouvoir acheter. Mais avec la sagesse, qu'est-ce que je vais acheter? Vous me suivez? Parce que si je vous dis aujourd'hui, sœur, frère, vous avez des problèmes financiers, mettez-vous à genoux, prions pour que Dieu nous donne la sagesse. Tu vas dire, mais frère Léonard, moi je viens pour te demander que Dieu me donne des moyens financiers, que tu pries pour moi pour que les portes s'ouvrent. Et qu'effectivement, que l'argent tombe, tu me dis qu'on prie pour que Dieu nous donne la sagesse. Vous allez réagir, vous allez dire, mais c'est pas possible, frère, c'est pas normal. Vous comprenez ça? Oui, c'est comme ça qu'on prie. Parce qu'en fait, pour vous, ça n'a pas de rapport. Or, ça a vraiment des rapports. Quand Salomon vous a été placé comme roi, vous le savez, tout roi qui vient pouvoir au trône, il a besoin d'avoir des moyens financiers. Vous savez pourquoi? Pour les troupes. Parce que s'il a une armée, il faut nourrir l'armée. Ah oui, il faut prendre soin de l'armée pour que vraiment que l'armée soit aussi forte. Il faut que ça soit bien entretenu aussi. On a besoin de l'argent, on a besoin de tout ça. Donc, tout roi, effectivement, tout président, tout, ils ont tout besoin de l'argent, tout pays est lancé maintenant. Donc, lui, Salomon, il vient au pouvoir. Il pouvait demander de l'argent parce que c'est la chose qui saute aux yeux directement. Mais il va dire à Dieu que ce que moi je demande, il pouvait dire, Dieu, donne-moi quand même beaucoup de mines d'or, beaucoup d'argent, de ceci et de cela, comme je disais tout à l'heure, effectivement. Mais Salomon, il n'a pas tardé à ça. Salomon dit, Seigneur, tu m'as accordé la grâce d'être roi sur ton peuple. Mais ce peuple n'est pas à moi. Ce peuple est à toi. Ce que je te demande simplement, ce que toi, tu me donnes la sagesse. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que vous dites, nous savons déjà, mais je veux que vous compreniez. Quand il demandait cette sagesse-là, c'était en fait pour qu'il puisse agir avec dans l'œuvre de Dieu, il puisse arriver à pouvoir aider, comprendre, aider les gens qui venaient, en fait, qui voulaient venir en tant que roi lui poser des questions, parce que c'est pas que si tu viens, roi, voilà, j'ai un problème dans les champs avec mon voisin, il a pris, tu penses à moi, 10 dollars, voilà, prends 10 dollars. Ça, c'est pas la réponse que la personne va venir attendre, que j'ai l'argent, je donne toujours l'argent à tout le monde. Bon, voilà, j'ai un problème, effectivement, aussi que mon fils est malade, effectivement, je donne un exemple, je dis, ben, voilà 20 dollars. Mais c'est pas les 20 dollars qui va quand même résoudre mon problème. Vous direz, oh frère, je vais payer le médicament. Mon frère, ma soeur, vous pouvez payer le médicament pour vous allez empirer encore la chose. Le médicament ne guérit pas la personne. En fait, je vous donne cet exemple pour vous pouvez comprendre, effectivement. Donc, ces rois avaient compris qu'effectivement, qu'il avait besoin de pouvoir que quand le peuple vient qu'il ait des problèmes, qu'il sache comment résoudre le problème. Parce que l'argent ne résout pas les problèmes. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui sont aussi riches ici, ils se divorcent. Est-ce que vous comprenez? Ils ont tellement d'argent, et ils se divorcent. Pourquoi ils divorcent? Parce qu'il y a un problème qui n'a rien à voir avec l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc cet homme ici s'est dit effectivement qu'il y a quelque chose que je veux avoir, Seigneur, parce que si j'ai la sagesse, je peux comprendre les choses, effectivement, comment répondre aux gens. J'aiderai beaucoup les gens. Dieu a vu vraiment les désirs de son cœur. C'est comme ça aussi, mon frère. Étant dans ce monde dans lequel toi tu es ici, pose-toi la question, mais qui est-ce que je suis en fait? Pourquoi je suis dans ce monde ici? Si tu es un chrétien, frère, Dieu ne t'a pas envoyé placé ici pour que tu sois riche. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre. Je parle bien aux enfants de Dieu et même ceux qui m'écoutent. Vous prenez vos décisions, vous avez les droits. Mais je parle au peuple de Dieu.
Dieu ne t'a pas destiné, toi, mon frère et ma soeur, fils et fille de Dieu, pour que tu sois riche dans ce monde. Et pour que tu puisses chercher toujours le bien-être dans ce monde. Ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu t'a placé ici. Ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu est allé te chercher dans ce monde-là où tu étais et tu vautrais et qui t'en a fait sortir. Pas pour que tu reproduises ce que tu étais ailleurs dans le monde, effectivement. Mais ce n'est pas s'il t'a fait sortir. C'est pour maintenant que tu comprennes la valeur des choses, effectivement, et ce que Dieu avait et qu'il a désiré effectivement de toi, qu'il a fait de toi, qu'il veut faire de toi. On souffre effectivement parce qu'on se fourvoie dans des choses. Je parle bien aux enfants de Dieu, s'il vous plaît. On va s'embarrasser des choses effectivement inutiles. C'est ce que la Bible fait comprendre. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie pour plaire à celui qui l'a enroulé. On n'est pas appelé à cela, on n'est pas appelé à pouvoir effectivement que je veux. À force de pouvoir tellement se fourvoyer dans le sol du monde, effectivement, votre foi diminue. On voit des frères et des sœurs qui étaient bouillants. Ils ont lancé dans beaucoup de choses, effectivement. La foi des frères a diminué. Ils deviennent comme des païens maintenant. Le langage a changé. Parce qu'on est parti dans le milieu où Dieu n'a pas voulu que nous soyons. Il nous a retirés de là. Il faut qu'on comprenne, mon frère. Ce n'est pas le bien-être de la terre ici pour lequel Dieu nous a appelés. Parce qu'il dit, mais ils vous haïront. Oui, bien sûr. Ils vous persécuteront. On le sait. Mais dans ce monde, ce n'est pas notre endroit. On ne peut pas arriver à pouvoir se torturer, se faire souffrir l'un l'autre à cause de bien de ce monde. Oui, tu ne peux pas haïr ton frère ou haïr ta soeur, effectivement, à cause de bien de ce monde. Non, le frère, la soeur a plus de valeur. Alléluia! Oui, mon frère a la valeur par rapport à l'argent, par rapport à l'eau. Oui, mon frère, par rapport à la maison, par rapport... Oui, ma soeur, c'est juste cela. Je ne peux pas comparer la vie de mon frère et de ma soeur par rapport au bien. Non! Mais nous avons perdu l'essence, mon frère et ma soeur. On manque du respect parce que quelqu'un... Non, il faut qu'on comprenne où nous en sommes. C'est sûr et certain. Et puis, ce n'est pas le fait d'avoir plus de vêtements qui ont de la valeur. Mais c'est la vérité. On se compare. Moi, je l'ai dit comme ça. Ce n'est pas nécessaire. Le Seigneur l'a dit, effectivement. Il est très bien dans Matthieu, chapitre 6. Effectivement, il nous fait comprendre cela. Matthieu, au chapitre 6. Verset 19, il dit, mais, mon frère Zachée, il peut faire un peu chaud, peut-être que c'est, si c'est chaud, chaud, je pense pour moi, peut-être diminuer un peu les choses ici, comme moi. Ouais, il ne faut pas me mettre dans le sombre, merci. Ah oui, diminuer encore un peu, ça fait du bien. Ne vous amassez pas, verset 19, des trésors sur la terre, vous entendez cela? Où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs pèsent. Et des robes. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Il y a une différence, mon frère et ma soeur, comme nous disons, dans les niveaux dans lesquels le Seigneur nous a placés, en fait. Il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. On doit arriver à pouvoir la différence de valeur de choses, apprécier les choses à sa juste valeur. Et comprendre effectivement la place qu'il y a à chaque chose. Il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera l'œil et la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera aussi éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien donc seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un, ou aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce de quoi vous serez vêtus. Maintenant, écoutez très bien. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Parce que si aujourd'hui, mon frère et ma soeur, vous êtes morts, les vêtements vont servir à quoi? Tous ces magasins qui sont ici aussi dans la rue ici ont fait, oui, des grands couturiers, ils ont fait des coutures spéciales, effectivement. Mon frère et ma soeur, bon, nous devons être propres, nous habiller bien, mais ne cherchons pas telle marque qu'on voit que je suis toujours avec frère, ça c'est trop charnel. Il faut qu'on me voit quand je rentre, que je m'habille tellement. Habillez-vous normalement. Simplement, mon frère, ma soeur, proprement, mais simplement. Pourquoi chercher à faire la concurrence avec, qu'on me voit comme ça, et l'autre est venu avec, parce que c'est dimanche ici, celui-ci est venu avec, comme ceci, avec ça, moi dimanche aussi, je vais mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est ce que les païens font. Quand vous êtes venu en Christ, et que vous demeurez comme ça, vous n'êtes même pas en Christ. Parce que votre nature, votre caractère n'a pas changé. Vous n'êtes pas en Christ, en fait, parce que si je suis en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ce qui veut dire que ce que je vise maintenant, c'est toujours l'excellence en Christ. La vie vaut plus tout ce que vous pouvez imaginer sur la terre. Parce que si tu n'es pas vivant, à quoi servirait même la maison? Si tu n'es pas vivant, à quoi servirait même la voiture? La voiture n'a de valeur parce que tu vis. Donc, ton frère et ta sœur ne peuvent pas être méprisés ou considérés à cause de la voiture. Un frère et une sœur a beaucoup plus de valeur que tout ce qu'on peut avoir sur la terre. C'est pour ça que le Seigneur nous instruit. C'est une fois qu'il faut comprendre, mais où est la demeure? Parce que la sagesse nous apprend beaucoup. Même dans nos rapports, mon frère et ma soeur, la sagesse nous apprend beaucoup. Parce que le diable va permettre qu'effectivement, que entre mon frère, entre ma soeur, entre nous, qu'il y ait des problèmes, il jette toujours des problèmes, effectivement, qu'il nous ramène toujours à des réactions tout à fait charnelles. Oui, il m'a fait, il l'a fait. Mais quand tu as la sagesse, tu rentres en toi-même. Tu dis que même s'il m'a fait, ce sont des choses qui vont rester. Dieu ne m'a pas envoyé sur cette terre pour que je tue quelqu'un ou que par moi quelqu'un meure. Ce qu'il m'a demandé, moi, c'est que tous vivent aussi. Que ma vie fasse vivre quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la sagesse. Ça vaut plus que l'argent. Ça vaut plus que l'or, effectivement. Ça donne, ça te ramène à pouvoir être maître de tout. Tu n'es contrôlé par aucune personne, par aucune émotion, parce que tu as la sagesse. Tu sais gérer les gens. Tu sais juger, parce que tu as la sagesse. C'est pour ça que quand Salomon a prié Dieu, il était vraiment sincère en lui-même, en fait. C'est vraiment une grâce que Dieu a accordée à cet homme de comprendre effectivement la chose la plus importante. Suivez-moi, s'il vous plaît, frères et sœurs. Parce que quand nous sortons ici, nous commençons à pouvoir gémir, effectivement, Seigneur, pourquoi je n'ai pas ceci, pourquoi je n'ai pas cela, effectivement, aussi. Vous devez savoir qu'effectivement, que si nous avons la sagesse, nous n'allons pas gémir. Même si je manque 20 euros dans ma poche, je ne vais pas pleurer. Je sais que le Seigneur, il pourvoira. Parce que ce que Dieu m'a accordé la grâce d'avoir, c'est de comprendre que, aussi longtemps que j'aurai la crainte de l'Éternel, mon Dieu à moi ne pourra jamais m'abandonner. Et il me fait savoir ceci aussi, qu'il veille sur sa parole. Mon problème à moi, c'est de pouvoir garder la parole.
Peu importe les circonstances. Même quand je suis dans le bateau, que je vois que le bateau tend à pouvoir s'agiter parce qu'il veut se renverser. Aussi longtemps que je garde la parole de Dieu, je sais que le bateau s'estoppera. Ça, c'est parce que nous avons quelque chose de plus que le monde et l'humain ne peut pas avoir. C'est pourquoi il dit, mais où est donc la demeure de la sagesse? L'or et tout ça que vous cherchez, vous savez. Où se trouve donc la demeure de la sagesse? Parce qu'avec l'argent, vous pouvez tout acheter. Bien sûr. Tout ce que vous désirez, vous pouvez acheter. Alors la question de pouvoir savoir, pouvez-vous acheter la sagesse? Avec quoi pouvez-vous la monnayer, en fait? C'est à ce moment-là qu'il nous ramène à ce que nous puissions bien comprendre, parfois nous lisons vite, mais que nous puissions comprendre la valeur de ce qu'il nous a posé comme question. Et pourquoi même il nous a posé cette question? Parce qu'il d'abord nous a démontré, « Sœur, s'il vous plaît, je voudrais votre attention, parce que quand on termine la réunion, vous plairez toujours, oh, je n'ai pas ceci, oh, je n'ai pas cela, Seigneur, m'écoutez. Écoutez, écoutez, pour ne pas manquer de respect au Seigneur. Parce que vous devez savoir, nous tous devons savoir, que si nous sommes à Dieu, jamais Dieu ne nous abandonnera. C'est parce que parfois, mon frère et ma soeur, nous avons ce qu'on appelle l'amnésie, en fait. Sœur, mon frère, asseyez-vous un tout petit peu. Regardez-vous quand vous étiez dans les débuts. Nous n'avions même pas de maison. Nous étions des locataires d'abord. Quand tu étais là en train de louer chez quelqu'un, effectivement, parce que le monsieur peut faire de toi ce qu'il voulait, c'était une manière ou d'une autre. Pouvais-tu penser qu'un jour tu pouvais devenir propriétaire? Dans les conditions dans lesquelles toi tu étais. Et puis regarde très bien, les conditions même pour pouvoir acheter, nous c'était tellement difficile. Il n'y avait qu'une petite minorité, on le voyait là au-dessus parce que c'était tellement heureux de pouvoir avoir. Parfois les gens ont hérité dans ce monde ici de leurs parents et nous n'avons pas de parents qui avaient des biens pour que nous puissions hériter. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Nous n'avons pas de papas riches qui ne pouvaient pas nous sommes des étrangers ici, vous savez très bien. Et même pour qu'on puisse louer un appartement, te regarder d'abord comme ça. Et on suppliait même pour avoir un lieu pour pouvoir arriver à pouvoir dormir. Regardez ce que ce Jésus a fait de vous. Il a même changé des lois pour vous. C'est la vérité. Sans papier, sans séjour. Déjà, avec des ordres de quitter les territoires. Parce que pour ceux qui n'ont pas de papiers aujourd'hui, il faut que vous puissiez entendre des témoignages. Vous pouvez dire, ah, Dieu ne fait rien. Vous savez, Dieu n'a jamais changé. Même si les gouvernements... Nous, pendant notre époque, ce n'était pas aussi pur que vous ici. Hein. Vous êtes dans une génération maintenant, dans une période où vous êtes comme, on vous traite comme des gâteaux. Nous, c'était à l'époque où nous étions ici, on s'appelait les bandes rouges. Les bandes rouges, c'est bon, vous êtes des nouveaux, en fait, vous êtes des jeunes. Les bandes rouges, c'était donc des gendarmes avec des voitures, c'était des voitures Golf. Quand tu vois les bandes rouges venir, tu fouilles d'abord, tu vas te cacher. Oui, parce que quand il passait, il ne va pas contrôler les autres. Hein. Mais c'est vous qu'on peut chasser. Aujourd'hui, quand vous sortez, effectivement, est-ce que vous voyez les bandes rouges s'arrêter contre les pauvres? Vous dites non. Vous passez, vous dites bonjour, monsieur, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Mais il y en a des autres qui avaient des traumatismes. Rien que voir la bande rouge comme ça, ils commencent à devenir malades. N'est-ce pas, mon frère? Hein, n'est-ce pas, mon frère? Oui, il connaît. Et si il est fait de voir les gendarmes, on devient déjà. À cause de la psychose, en fait. Mais Dieu aille à pouvoir agir. Amen. Alléluia. Amen, amen.
Il y en a des frères qui ne comprennent pas cela, qui ne peuvent pas saisir parce que bon, ils sont toujours ici, là, 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 là. Oui. Mais pour ceux qui ont traversé la vallée de l'ombre de la mort, ils savent apprécier la lumière et les verts pâturages. Pourquoi nous chantons ces dieux-là, nous les glorifions ainsi? Parce que nous savons ce que nous avons traversé. Nos enfants sont venus ici, ont pleuré pour qu'ils puissent avoir des papiers. Tous nos enfants qui ont... Mais bien sûr que oui. C'est pour dire que le Seigneur, notre Dieu, ne pourra jamais manquer de vous donner ce que vous désirez, en fait. Je termine, parce qu'il est 14h16. Où est donc la demeure de la sagesse? C'est la chose que tout le monde ne prend pas plaisir, enfin, qui ne cherche même pas. Parce que quand vous avez la sagesse, mon frère, dans votre couple, vous savez comment agir. Ce n'est pas l'argent qui va arranger tout dans votre couple. Vos enfants, votre foyer, vous savez comment agir. Parce que les gens qui ont de l'argent, beaucoup d'argent aujourd'hui, leurs enfants sont des toxicomanes. Vous voyez que l'argent, l'or que vous pouvez avoir, ne peut pas vous rendre heureux. Ça détruit même votre propre famille, en fait. Mais quand vous avez la sagesse, ça ne détruit pas ta famille. Ça fait grandir davantage. Ça le maintient. Où est donc la demeure de la sagesse? Disons, nous continuons, parce que bon. Verset 12, il dit. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Parce que si tu l'as, mon frère et ma soeur, quand au moment où tu passes par des situations difficiles et des larmes tout le temps, parce que tu arrives au bout de la situation, la sagesse de Dieu prend les dessus et te rappelle. Souviens-toi qu'il n'a jamais manqué. Même dans les moments les plus difficiles, les apôtres étaient dans la barque en train de pouvoir dire, Seigneur, nous mourons. Vous vous souvenez, non? Il n'était pas loin. Il semblait comme s'il dormait. Non, il voyait. Il veillait sur ceux qui sont à lui. Il te fait rappeler aussi, effectivement, dit, regardez les enfants d'Israël dans les déserts. Nous n'avons pas d'eau, nous allons mourir. C'est comme si Dieu ne voyait pas. Il voyait. Là où il n'y avait pas d'eau, il a dit à Moïse, parle aux rochers. Les rochers, c'est sec. Il n'y a même pas une goutte d'eau à l'intérieur. Parle aux rochers et du rocher sorti de l'eau. La sagesse divine de Dieu a plus de valeur que tout le bien que vous cherchez dans ce bas monde. Croyez-le, mon frère et ma soeur. Il dit, mais où est donc la demeure de la sagesse? Verset 13. L'homme n'en connaît point les prix. Vous l'avez dit? Parce qu'avec l'or, l'argent, les reins, tout ça, tu peux tout acheter. Parce qu'on te donne aussi la valeur pour pouvoir monnayer cela. Mais avec la sagesse, il dit, l'homme n'en connaît point les prix. Et puis il nous dit, et ne se trouve pas dans la terre des vivants. Parce que dans la terre, on trouve tout ce qui est monnayable. Tout ce que vous désirez là, tout ce que vous suivez, tout ce pourquoi vous souffrez, c'est dans la terre que vous le trouvez. Il dit, la sagesse ne se trouve pas dans la terre des vivants. Mais alors, mon frère et ma soeur, ça doit avoir de la valeur. C'est la chose que tout le monde méprise.
pensant que ça n'a pas de valeur, il dit, mais alors plus ça se trouve là, parce que tout ce qu'il y a sur la terre, effectivement, ça a de la valeur pour vous. Et vous pouvez la monnayer parce que vous pouvez dire, ça coûte comme ça, autant de... Maintenant, la sagesse, elle se trouve même pas dans la terre des vivants. Dites-moi. Maintenant, on continue, il dit, l'abîme dit, elle n'est point à moi. La mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Alors que moi, si je possède l'or pur, je possède tout. Bien sûr que oui, c'est la vérité. Même l'argent que vous avez ici, effectivement, aussi, on l'a placé sur la valeur de l'or. Hein. Oui. Alors il dit, elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Vous vous rendez compte, effectivement, donc de toutes ces choses qui ont de valeur là. Alors cette chose-là qu'on n'a même pas prêté attention, c'est ça qui a plus de valeur. Et qui ne peut même pas se comparer, même pas s'acheter, même pas... Oui. Alors, mais comment et où est-ce que je peux les trouver? C'est ça qui doit frapper l'homme. Parce que, oui, mon frère, c'est vrai, ça semble que vous ne saisissez pas très bien, mais frères et sœurs, c'est la chose... Écoutez, si aujourd'hui on te dit que c'est la chose qui a plus de valeur sur toute chose, effectivement, sur la terre, mais c'est ça que je vais décider, je vais posséder. Parce que l'or n'a pas de valeur comparée à cela. Donc si je veux être riche, donc riche, plus riche que tout le monde, plus riche que tous ceux qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'or, je dois avoir cette chose-là. Je dois vraiment la posséder parce que et là, sa valeur est inestimable parce qu'on ne sait même pas la comparer. C'est même pas mal à l'évaluer en fait. Elle lui dit, et le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Alors d'où vient donc la sagesse? Où est donc la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. Alors, où se trouve-t-elle? Il dit, mais c'est Dieu qui en sait donc le chemin. C'est lui qui en connaît donc la demeure. Donc, la meilleure des choses, mon frère et ma sœur, ne peut se trouver qu'auprès de Dieu. Amen. J'espère que vous dites amen parce que vous avez compris. Donc, tout ce qui est meilleur et qui a plus que de valeur par rapport aux choses terrestres que nous avons ne peut se trouver qu'auprès de quelqu'un. Non. Maintenant, moi, si je sais que tout cela, la chose qui a plus de valeur que tout ce qu'on peut posséder, ne se trouve qu'auprès de quelqu'un, il faut que je trouve cette personne. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse, mon précieux frère. Qu'il te bénisse richement. Donc, il me faut trouver cette personne. Donc, si j'ai cette personne-là, alors là, je possède la chose. Et vous allez me dire, cherchez l'Éternel pendant qu'il est. Alléluia! Que le méchant abandonne sa voie. Voyez-vous, frère, des choses que vous pensez que ce sont des formules qu'on répète, elles ont une profondeur, elles ont une importance quand l'Esprit du Seigneur nous ouvre l'intelligence pour que nous comprenions, frère, que tout ce que nous cherchons et tout ça, ce sont que des futilités et des banalités. Quand tu te plais en toi-même, ton orgueil, ce n'est que vanité, futilité. Quand il n'y a rien, mon frère, que toi en tant qu'humain, que moi en tant qu'humain, on peut arriver à voir comme valeur.
D'abord, la parole de Dieu nous fait savoir que nous sommes morts de la terre, tirés de la poussière. Alors comment je peux être plus important que mon frère qui est assis en face de moi? Nous avons été tirés de la même chose. Terre, matière, poussière. Et en plus, on veut porter des vêtements d'un million. Parce que quand on veut dire votre madame million, on se sent qu'on est plus important que l'autre. En fait, imaginez que vous allez ici dehors, enfin, dans votre jardin, vous faites une motte de terre. Hein, vous voyez cette motte de terre-là. Et vous prenez un vêtement d'un million, une veste, vous mettez sur la motte de terre. Alors je vous pose bien la question. Vous, parfois, que vous êtes là, vous prenez pour quand je porte un vêtement comme ceci, on voit, parce que je dois monter, je n'ai pas un problème. Mais, ben, posez-vous la question, et la montée, vous avez mis un vêtement d'un million. Est-ce que cette mode de terre-là, que vous avez mis là, cette monticule-là, elle a plus de valeur par rapport à l'effet qu'elle a eu, cette veste-là? Il reste toujours la terre avec des vers à l'intérieur. Nous vivons déjà avec des vers à l'intérieur de nous. Oui, observez-vous comme cela. Et vous imaginez vraiment que Dieu va prendre des vers de terre avec des pour aller dans sa présence. Vous imaginez déjà? C'est un peu pour extrapoler, en fait, pour que vous puissiez comprendre. Quand vous voulez, et c'est toujours parmi les femmes. Et c'est quoi qu'elle, son corps est plus important que le corps d'une autre femme. Surtout dans les jeunes. Hein. C'est comme ça, ils vont faire. C'est ce que j'avais dit l'autre fois. Vous me supportez? Amen. Je sais que ça ne plaît pas, mais. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. On a l'impression que. Parce que c'est toujours. En fait, le problème, c'est que c'est toujours dans la tête. Les gens vivent avec des imaginations. On s'imagine qu'on est. Et puis quand on est dehors, parfois quand il met les vêtements, il sait que quand je vais marcher, c'est dans l'imagination, hein. Quand ils vont me regarder, ils vont dire, ah là là, il n'y a pas plus belle qu'elle. Et puis ils vont, elle-même se dit, il faut qu'ils voient que j'ai un, et que je suis la plus belle. Vous voyez ça? Ça passe dans la tête. Mais on ne se rend pas compte, effectivement, de ce que nous sommes, en fait. Mode de la terre est tiré de la poussière, en fait, en réalité. Qu'est-ce qui peut donner de la valeur à toi? Ça vous embête, hein? Non. Ça vous gêne, hein? Tant cela, hein? Voilà comment la sagesse nous amène. Pour glorifier celui qui donne la valeur. Nous étions donc sans valeur. Nous ne valons absolument rien. Et sur le marché, nous ne valons rien du tout. Regardez-vous. Regardez-nous. On peut s'habiller comme on veut et même s'entourer de l'or et tout ça ici et là. On reste des êtres humains. On peut faire tout ce qu'on veut avec ceci, ce n'est que nous sommes que des hommes. Comment pouvons-nous devenir en fait des personnes qui ont une valeur? Pourquoi est-ce qu'on peut vous appeler précieux frère et précieuse sœur? Vous êtes précieux par rapport à quoi? Quand on dit mon précieux frère, ma précieuse sœur, vous n'avez jamais pensé à ça? Précieux par rapport à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Le Seigneur a dit, tu as été tiré de la poussière, tu retournes dans la poussière.
La poussière ne peut pas être précieuse. Est-ce que vous me suivez? C'est parce que quelque chose s'est passé. Ce qui est précieux, c'est ce que Dieu, le Seigneur, t'a donné. Écoutez d'abord. Il a dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc nous avons reçu ici, à l'intérieur, dans ce corps mortel. N'est-ce pas? Nous l'avons cru parce que vous, où est-ce que vous avez cru? C'est baladant. C'est à l'intérieur. Nous l'avons reçu. Il dit à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Merci Seigneur. Il parle maintenant de la nouvelle naissance. Ce qui veut dire maintenant que dans ce intérieur de ce vase ici, il y a une nature qui est là-dedans. C'est l'homme intérieur. Cet homme intérieur n'est nul autre que Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi vous êtes devenu précieux. Parce que à l'intérieur de vous se trouve quelque chose qui est précieux aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui est précieux aux yeux de Dieu? Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Ce qui est précieux aux yeux de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, on appelle précieux et bien-aimé celui en qui Dieu demeure. Mais quand tu vis la vie d'un cochon, la vie d'un chien, tu ne peux pas être bien-aimé ni un précieux frère. Tu restes toujours en fait mode de terre. Tu vas mourir, tu retournes dans la poussière. Tu n'auras nulle part. C'est pour ça qu'il faut que nous apprécions ce que Dieu a fait de nous. Ce que nous avons reçu du Seigneur. Si nous continuons à pouvoir vivre la vie que nous avons, comme j'ai dit, nous insultons le Seigneur. Ce qui veut dire que ce que tu as fait pour moi n'est pas tellement plus important. Mais quand nous comprenons ce que le Seigneur a fait pour nous, effectivement, dans notre vie, alors nous le remercierons de tout notre cœur. Alors nous comprenons que, Seigneur, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as donné une vie qui me permet maintenant de pouvoir maintenant savoir que de tout ce qui peut m'entourer ici, tout ce que je peux voir, rien n'a plus de valeur par rapport à ce que toi, tu as fait à moi. Donc, ce qui veut dire que la personne qui a plus de valeur, c'est qui? Ce n'est pas moi. Parce que qui donne la valeur à moi, à ma vie, à moi? Mais c'est Jésus. Pourquoi? C'est pour ça que chaque jour de ma vie, chaque instant de mon existence, je ne peux que lui être reconnaissant. Je ne répète pas Jésus, je t'aime pour répéter. Non, quand je me souviens, moi ici j'étais destiné à autre chose. Mais tu as fait que je sois précieux aux yeux de Dieu. Parce que tu es venu habiter en moi. Moi qui étais une vile personne, tu m'as rendu une personne qui a de la valeur. Ah oui. Maintenant, même si je meurs, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Jamais il ne pourra m'abandonner parce qu'il viendra me chercher et moi je vivrai avec lui. Donc Jésus-Christ, notre Seigneur, t'a rendu une personne qui a de la valeur. Bon, nous revenons ici, puis nous terminons comme ça. Alors il dit, mais verset 20, il dit, mais d'où vient donc la sagesse? Où est donc la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée, effectivement, aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui donc qui en connaît donc la demeure. Alors là, vraiment, Dieu est très important. Cette personne est importante parce qu'il détient la chose la plus précieuse qui a plus de valeur par rapport à ce qu'on peut posséder. Il dit, mais, car il voit lui jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il, lui, régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il, lui,
donna des lois à la pluie. Alors il dit, cet homme-là, cette personne-là, elle est vraiment importante, mon frère. Il dit, j'aimerais bien être avec lui, parce qu'il possède tout. Il fixe même les limites de la terre. Il fixe les limites de la terre, c'est lui qui contrôle tout. Donc il possède tout, alors je le veux. Mon frère et ma soeur. La Bible dit que vous avez tout pleinement en lui. Mais maintenant, si c'est Dieu-là, demeure en toi. Alors mon frère, toutes choses sont possibles. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, toutes choses te sont donc possible. La sagesse est pour toi. Amen. La puissance est pour toi. Amen. Le pouvoir est pour toi. Amen. Donc, tout appartient. Amen. Alors, mon frère, quand tu passes par le mois d'épreuve, mon frère et ma soeur, ne murmure jamais. Parce que Dieu te fait passer par là, pas pour que tu demeures. Parce que pour toi, mon frère et ma soeur, ta vie à toi, elle a été, Dieu a déjà fait ce qui est nécessaire. Tu ne seras pas malheureux. Tu ne seras pas du pauvre. Non, mon frère, tu ne manqueras pas de l'argent. Non, vous dites amen, vous ne comprenez rien. Non, vous ne comprenez rien. Si vous comprenez, frère, vous sortirez ici, vous ne mourrez plus jamais. Seigneur, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les papiers. Non, les papiers, tu l'auras. L'argent, tu l'as déjà, mon frère. Non, ne dites pas amen parce que vous ne comprenez pas. Regardez très bien, mon frère et ma soeur. Si vous possédez... Je ne sais pas comment, je ne sais pas vous dire. Vous savez, la Banque nationale ici. La Banque nationale de la Belgique, je crois que c'est là qu'on fabrique les 50 euros, les 100 euros, les machines sont là-dedans. Maintenant, vous, si vous possédez la Banque nationale, dont l'impression de billets d'argent, est-ce que vous me comprenez? Parce que tous les billets qui circulent ici, ils sont imprimés là-bas. Donc celui qui tient les machines et les papiers, il n'est plus riche. Supposons que vous soyez la personne auquel on a donné donc la possession de cette impression. Pouvez-vous demander qu'on vous donne de l'argent? Alléluia. Et pourtant, vous n'avez que les machines. Donc si tu es sage, tu n'as pas les billets, mais tu es sage. Tu vas dire, mais j'ai la machine. Même si je n'ai pas les billets, mais j'ai cette machine. Donc avec cette machine, je peux en fabriquer autant que je veux. C'est-à-dire que même si j'avais dans mon compte en banque, je vois qu'il y a seulement 2 euros, je ne vais même pas avoir dit, ah, mais je suis pauvre. Non, je ne suis pas pauvre. Parce que j'ai les machines. Mais mon frère, toi, tu as Dieu. Amen, amen, amen. Les possesseurs de toutes choses. Alléluia. Amen. Les donateurs même amen. De tout don excellent. Amen. Lui-même, il est le rédempteur. Lui-même, il est le guérisseur. Lui-même, il est le sauveur. Lui-même, il est tout en tout, mon frère et ma sœur. C'est le manque de sagesse. Alors, comment pouvez-vous me dire que vous allez sortir ici? Vous rentrez chez vous à la maison. Ah, Seigneur, il me manque ceci. Je n'ai pas mangé, j'ai pas mangé. Alors que tu as le Seigneur avec toi. Je termine par ceci. Je vais terminer. Je crois que c'est Élisée qui était dans une ville, effectivement. Et il avait donc là une femme, effectivement. Je crois que cette ville où il était. Et quand il a vu Élisée, il a couru vers Élisée. Il dit, tu connais que mon mari était un homme de Dieu, effectivement, tu le connais parce qu'il savait le Seigneur, effectivement, ainsi de suite. Mais voilà qu'il est mort et les créanciers sont donc venus pour pouvoir prendre les enfants pour en fait en faire des esclaves. Vous connaissez cela, non? Oui.
peu ici. Alors, vous devez remarquer une chose. Quand un homme sert le Seigneur, sa postérité ne sera jamais abandonnée. Même si, à un moment, il passe par un moment difficile, le Dieu de la parole veillera toujours. C'est pourquoi j'ai dit, ne soyez pas de mauvais parents qui vivent une vie double, qui laissent les enfants, les permettent de pouvoir vivre comme des cochons, effectivement, c'est pour dire que je suis un parent, papa cool. Vous êtes papa cool, vous allez les laisser couler aussi, parce qu'ils couleront, en fait, aussi. Ne faites pas ces erreurs-là. Ah, moi, je suis dans ma société, je suis même, je vais comprendre. Moi, je vais m'asseoir avec mes enfants et leur comprendre. Ne comprenez pas, il faut simplement leur montrer la voie. Parce que vous allez les détruire, en fait. Si tu es mauvais, tu donnes un mauvais exemple à tes enfants, Dieu ne les bénira pas, en fait. C'est sûr et certain. Mais quand on aime le Seigneur, on se donne vraiment à lui. Dieu est juste, hein. Je voulais toujours répéter cela. C'est pour ça, soyez sincères. Ta postérité à toi sera bénie. Voilà que les créanciers sont donc venus pour prendre les enfants de celui qui aimait Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a fait passer Élisée dans ce coin-là aussi. Oui, monsieur. Madame. Et maintenant... Élisée la regarde. Il dit, je n'ai pas de l'argent, je ne sais pas comment faire, effectivement, ainsi de suite. Parce que quand tu aimes Dieu, Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Vous me suivez? Je ne vais pas vous fatiguer, je pars la semaine prochaine, et puis vous resterez peut-être en train de prendre ça. Vous voyez quand même. J'ai besoin aussi de vos prières, parce que le pays, c'est loin. Et là... Il dit, je n'ai pas de moyens, on va prendre mes enfants pour les amener en esclavage, et ainsi de suite. Élisée pose la question à la femme. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Vous avez entendu la question? Qu'est-ce que toi tu as dans ta maison? Cette femme-là ne se rendait pas compte que dans sa maison-là, Dieu avait déjà donné la solution à son problème. Elle était en train de tourner comme ça et ne voyait pas ce qui était dans sa maison-là. Pour elle, c'était tellement rien du tout. Mais c'était la solution à son problème. Il lui pose la question, mais qu'est-ce que tu as? Je n'ai qu'un vase d'huile. Donc c'était quelque chose qui était méprisable. Ça, et puis quand on regardait, mais d'abord, quand elle était même dans sa maison, elle dit, mais ce vase d'huile, c'est pour préparer avec, vous savez, mais qu'est-ce que. Et puis bon, mes enfants, et puis ils vont partir. Elle était concentrée. Vous voyez, dans des circonstances, vous pensez que Dieu vous a abandonné. Non. Dieu ne peut pas vous abandonner. La réponse à votre problème, Dieu l'a mis devant tes yeux. Mais toi, tu ne le vois pas. C'est sûr et certain. Vous savez, frères et sœurs, cette femme pouvait avoir cuisiné avec toute l'huile qui était à l'intérieur. Bien sûr, parce que ce n'est qu'un vase d'huile. Donc ça sert à pouvoir se cuisiner avec, effectivement. Donc ces vases-là pouvaient être vides. Mais Dieu n'a pas voulu que ces vases soient vides. Vous me suivez? Parce que la solution à son problème allait venir de ces vases-là. Donc dans votre maison, dans votre vie en fait, quand vous avez des problèmes tellement sérieux, il y a quelque chose que Dieu a permis que ce soit dans votre vie, ou dans quelque part, c'est dans la circonstance, que vous ne voyez pas. Et que Dieu savait que cette chose-là, au moment opportun, ça va permettre que la solution vienne par cette chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Si elle n'avait rien dans sa maison-là, tout vide, rien du tout, Élisée la salle, elle ne savait rien faire pour lui. Amen.
Mais Dieu avait permis que la chose reste là pour que par là aussi, Dieu fasse quelque chose pour cette femme en réalité. Mon frère et ma soeur, vous me dites, ah, mon frère, on ne comprend pas. Permettez-moi de me donner un tout petit temps. Je vais vous poser une question. Bartimée était aveugle, non? Il était mendiant. Si vous lisez bien dans les Saintes Écritures, il y avait encore d'autres aveugles. Mais qu'est-ce qui faisait la différence entre Bartimée et les autres? Il y avait quelque chose qui était là dans Bartimée, qui allait permettre que, cette chose-là étant là, que ses yeux puissent s'ouvrir. De tous les aveugles qui étaient là, aucun n'a crié « Fils de David ». C'est ça qui l'a fait arrêter. « Fils de David ! » Aie pitié de moi. Fils de David s'est arrêté. Il se tourne vers Bartimée. « Que veux-tu que je te fasse ?» Est-ce que vous suivez? Cet homme-là, je vous l'ai dit l'autre fois, qui ne voyait pas. Qui ne voyait pas, comment pouvait-il voir Jésus? Il ne pouvait pas voir. Mais comment a-t-il reconnu qu'il était le fils de David? Bon, la deuxième chose. La femme au père de sang. Tout le monde touchait le Seigneur. Ma sœur, vous me suivez, pour le nom de Dieu? Je vais m'arrêter. Tout le monde touchait le Seigneur. Pourquoi cette femme-là, quand il a touché? Quand les autres touchaient, il n'a pas dit une force est sortie de moi. Mais quand cette femme-là l'a touché, il s'est arrêté tout simplement. Il dit, quelqu'un m'a touché. Vous avez vu la réaction de tous les autres? Mais Rabbi, tout le monde t'est touché. Dit, Tous les autres, là, n'avaient rien. Mais cette femme-là, elle avait quelque chose en elle. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Mais c'était aussi une fille d'Abraham. Donc une fille d'Abraham ne peut pas être vide. Un fils d'Abraham ne peut pas être vide. C'est pour ça qu'il pose la question, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Il dit, bon, va. Va voir tous tes voisins. Prends toutes les vases que tu peux prendre, en aussi grand nombre que tu peux en prendre, mais prends aussi grand que tu veux. La femme s'est posée la question. Et ce qui est merveilleux, c'est que elle ne s'est pas adressée à Élisée, dit, mais pourquoi tu veux que j'aille chercher les vases auprès des gens? Moi, je t'ai demandé, je t'ai dit que les créanciers vont venir. Et puis, tu vas emprunter les vases auprès des gens. Si j'emprunte les vases, c'est comme je me dis, mais pourquoi tu peux... Il n'a pas posé la question. Il est simplement rentré. Elle a fait exactement ce qu'on lui dit de pouvoir faire. Elle a ramassé les vases de tous les voisins. Puis, elle est rentrée. Alors, l'Élysée lui a dit, quand tu auras ramassé les vases, rentre, ferme la porte derrière toi. Et que maintenant, tu verses de l'huile dans tous ces vases que tu as ramassés. Mais c'est de la folie. Vous me suivez? Amen. C'est de la folie. Quand on vous prêche ici, frère, on vous dit, le Seigneur est capable, vous trouvez là mon problème, et ce n'est pas possible, effectivement. Vous doutez légèrement sans vous rendre compte, et vous l'êtes comme ça. C'est de la folie, en fait. Oui, c'était de la folie. La sagesse de Dieu est une folie pour les hommes.
Il est rentré avec un petit vase d'huile là. Il dit, les vases étaient là. Parce que tu sais quand même, tu vois toi-même que c'est petit. Même dans mon vase qui est là, il n'est même pas rempli. Maintenant, tu me dis maintenant qu'avec ce vase ici, je dois maintenant commencer à verser dans les autres vases vides. Quand je rentre à la maison, je ne vais même pas faire ça. J'ai dit qu'il ne savait pas ce qu'il me disait. Cet homme, vraiment, il n'a peut-être pas compris. Mais comment est-ce que... J'attendais peut-être qu'il me dise, oh, je vais faire... Non, il n'a rien fait. Il a simplement dit, va. Prends le vase et puis remplis. Comment, c'est quand on prend notre logique, en fait, que la parole de Dieu n'a plus d'influence sur nous. Amen. Tu as beau venir ici, frère, ma soeur, je peux prier pour toi en posant la main. Tu dis, oh, les frères n'ont pas de puissance. Mais quand je prie pour les gens qui sont à l'étranger, ils sont guéris. Amen. Tout à l'heure, j'étais avec mon frère. Ici, à mon frère Zachée, je lui ai dit, on va seulement prier ici. On ne va pas venir. Je leur ai dit les remerciements de quelqu'un dont la personne... Bon, je ne vais même pas le dire, parce que je n'allais pas le dire. Ils sont témoins, parce qu'il y a des choses que je ne demande pas qu'on puisse dire ici, parce que Dieu nous aide. Je serais certain, vous pouvez venir là, vous vous agenouillez, je me pose la main, je prie pour vous, mais parce que quelque part, vous ne croyez pas vraiment. Vous rentrez et vous êtes toujours malade. Mais il y en a de ceux qui simplement, même au téléphone. Tu me dis, pays étranger. Et là, tu pries instantanément. Bref. Alors, la femme est rentrée. Elle a pris les vases, là, dans les... Et commence à verser. Qu'est-ce qu'elle rencontre? Que le vase se remplit. De quoi? Mais de l'huile qui est ici. Elle dit, bon, mets l'autre vase. Deuxième vase, troisième vase. Rien que l'huile. Donc, l'huile ne s'est terminée pas. Dieu est fidèle. Amen. Donc, comme elle avait rempli autant de vases, Dieu est bon. Mon frère, ne limitez pas Dieu. Il fait l'impossible et il le fera dans ta vie à toi. Il lui a dit, madame, il n'a pas dit, prends trois vases. Non, prends autant que tu veux. Frère, quel est le problème que toi, tu as, ma soeur? Que Dieu ne... Mais vous limitez Dieu, mon frère. Qui n'est pas... Il résout tous les problèmes. Je vous l'ai dit ici, avant même que le problème soit venu vers toi, il le savait. Il avait vu. Oui, bien sûr, mon frère. Même la maladie qui te fait souffrir. Le problème, bon, bref. Verse, je vais m'arrêter. Verse. Et la femme verse. Elle a amené tout le vase qu'il pouvait avoir dedans. Et continue à verser jusqu'au dernier vase. Écoutez bien. Il dit à son fils, il me dit, bon, même quand il a versé, il dit, mais où il dit, maman, il n'y a plus de vase. Quand il dit qu'il n'y a plus de vase, lui, là, petite huile. Alors, Élisée lui a dit, quand tu auras rempli ces vases, prends ces vases-là, va les vendre et tu auras de l'argent pour pouvoir payer effectivement les créanciers. Voilà de lui est venu l'argent. C'était toujours dans sa maison. La solution à son problème était dans sa maison. La solution à ton problème financier, tu l'as déjà. Oui, mon frère, tu cherches quoi? La garantie pour payer ton logement, tu l'as déjà. Tu cherches quoi? L'argent pour pouvoir payer tes factures, tu l'as déjà. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est merveilleux. Terminons 28 et puis nous prions ensemble. Alors il dit, quand il régla, verset 25, quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie, et qui traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit lui-même la sagesse. Et il la manifesta. Il en posa le fondement et il la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, l'homme, tu veux avoir la chose la plus précieuse? Voici donc la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Quand Salomon a prié Dieu, il dit, donne-moi donc la sagesse. Dieu regarde Salomon et dit, Salomon,
Tu ne m'as pas demandé de l'or et de l'argent, ni la gloire et tout ça. Tu m'as simplement demandé la sagesse. Ah oui, c'est une grâce que Salomon avait eue. Il dit, puisque tu n'as demandé que la sagesse, voilà ce que la sagesse contient. Que Dieu vous bénisse. La sagesse contient donc la richesse, la gloire, la prospérité et tout. Et il n'y aura personne qui sera aussi plus sage que toi. Vous savez, dans la Bible, il est écrit, le royaume, les nations l'entourent. Avec du respect. Il dit, Dieu a aimé vraiment Israël, d'avoir donné à Israël un tel homme, Salomon, pour qu'il soit roi. Il avait une sagesse, que quand on lui posait des questions, il a répondu à tous les énigmes. Il n'y avait personne sur la terre, comme Salomon, parce qu'il a simplement demandé la sagesse. Alors Salomon était l'homme qui a pu avoir le vêtement le plus royal. Toujours par là. L'homme qui avait beaucoup d'argent, toujours par là. Sagesse. Que Dieu soit béni. Amen. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire merci encore aujourd'hui pour la grâce que tu nous as accordée de pouvoir nous retrouver ensemble, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est vrai que le temps parle, mais ce que tu nous dis est plus important et plus précieux quand nous rentrons dans nos maisons, Seigneur Jésus. Oh Dieu, que les diables ne puissent plus continuer à pouvoir nous aveugler avec beaucoup de choses dans nos pensées. Nous sommes un peuple différent, un peuple séparé, un peuple mis à part. Quand nous te possédons, nous possédons donc toutes choses, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, Seigneur. Ta houle était ton bâton, nous rassure, mon roi. Nous sommes dans la joie, Père Dieu. Agis encore davantage, mon roi, dans toutes les familles, dans toutes les maisons, Seigneur. Nous voulons revenir à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Récupérer, Père Tibissant Dieu, reprendre la place que nous devons avoir auprès de toi, mon bien-aimé Père Tibissant. Toujours toi le premier. C'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes, Seigneur Jésus. Que dans nos maisons, qu'il n'y ait rien d'impur, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous apprenons à nos enfants de pouvoir réellement, aussi, Père Saint-Dieu, considérer ce que toi tu es, mon sauveur. Aide-nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Bénis ton peuple, mon roi. Soutiens, protège et pourvois encore pour le besoin, mon bien-aimé Père Tibissant, de chacun. Je te remercie encore. Je te loue. Je te rends gloire et honneur pour ta bonté, pour ton amour et ta grâce. Garde ton peuple, mon roi, et sois béni et glorifié, Père, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Il est bon, notre Dieu. La semaine prochaine, je vais partir pour le Mexique. C'est ce pays dont vous savez que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir faire de grandes choses aussi. Là-bas aussi également. Et je prie pour vous que le Seigneur vous garde, que vous demeuriez vraiment dans la paix, que de votre bouche ne sorte rien d'impur, ni ne téléphonez pas pour raconter des choses inutiles. Oh, vous avez entendu, vous avez vu. Non, la vie de mes frères et sœurs se met en ordre. Et ce que nous voulons, c'est nous réjouir quand Dieu agit. Que vous restiez vraiment dans la paix. Et je prie que vous puissiez vraiment prendre vraiment beaucoup de temps pour prier. Et même gêner aussi, chercher la face du Seigneur pour que tout ce qui est mauvais soit aussi retiré. Enfin, que quand vous venez, vous passez du temps beaucoup dans la prière. C'est absolument nécessaire. Beaucoup de temps dans la prière. Afin que le Seigneur vraiment travaille dans la vie de tout un chacun. Pensez à moi dans vos prières. Que Dieu m'aide effectivement aussi pour que là-bas je puisse aussi les servir comme il le veut. Et qu'ici il m'accorde la grâce de pouvoir revenir. Que je sois aussi heureux de vous trouver vraiment aussi en paix et aussi en bonne santé. Je prie Dieu vraiment pour qu'il n'y ait rien d'impur. Qu'il n'y a rien de mauvais qui puisse arriver à pouvoir être là, au tel frère, ou ceci, ou cela, mais toujours la simplicité, l'humilité dans le cœur, et que Dieu soit toujours notre absolu, venant, priant, sortant, priant, restant à la maison en priant, que Dieu nous aide. Je veux prier pour vous. Tendre Père et précieux Sauveur, je me tiens devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci pour ton amour et ta bonté à notre endroit. Je prie pour ce peuple, mon Père.
Regarde comment, Seigneur, Satan vient toujours s'agiter et secouer les gens par la bouche de quelqu'un qui peut dire de mauvaises paroles, qui peut rapporter ses signes pour attrister les gens, mais que la bouche de ceux qui peuvent parler soit fermée au nom de Jésus. Tu sens que la bouche de tout un chacun peut être toujours tournée vers toi pour la prière, s'exhortant avec amour, avec sincérité, avec joie, et que l'amour divin soit vraiment dans le cœur de ton peuple, mon roi, qu'il n'y ait pas d'orgueil, qu'il n'y ait pas de mépris, qu'il n'y ait rien, Père Saint-Dieu, mais l'humilité et la simplicité dans le cœur, mon roi. Je t'en supplie, garde ton peuple, mon roi, dans la paix, bénémoine, Père puissant Dieu, et que le Saint-Esprit puisse se manifester encore davantage et prendre le contrôle, mon roi, pour conduire encore, pour garder. Souviens-toi, Père Saint-Dieu, de mon précieux frère Zachir, Rosario, Père Saint-Dieu, et cet enfant Christian, et mon frère Sorgier Pendant, Jonas, bénémoine, Père Saint-Dieu, tous tes enfants, Père puissant Dieu. Seigneur, tu es le Dieu qui agit encore. Merci encore pour tout ce que tu vas faire et que tu feras encore, mon sauveur. Et là-bas où je pars aussi, j'ai besoin de toi. La force aussi, Père Saint-Dieu. Et tout, j'en ai besoin, mon Seigneur. Soutiens-moi aussi, garde ton peuple, car je t'ai ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sois glorieux.